Alors, bien, bonsoir et bienvenue pour cette 16e avant-dernière séance du séminaire 1959-1985 au prisme de la Biennale de Paris. Juste comme tout le monde n'est peut-être pas au courant, donc c'est un séminaire qui se déroule dans le cadre d'un programme de recherche éponyme porté par l'Institut national d'histoire de l'art, en partenariat avec la bibliothèque Kandinsky du Centre Georges Pompidou, les archives de la critique d'art à Rennes et l'Institut national de l'audiovisuel. Programme qui a pour objectif, un double objectif, à la fois un travail documentaire et de classement, mais aussi de mise en accessibilité, de faciliter l'accessibilité des fonds d'archives de cette biennale qui sont dispersés dans ces différentes institutions. Et dans d'autres institutions aussi, mais surtout donc à la bibliothèque Kandinsky, aux archives de la critique d'art. Et un deuxième objectif qui, lui, est vraiment d'ordre plutôt scientifique, on peut dire, même si le classement a sa dimension scientifique aussi, qui est d'étudier cette biennale qui a existé dans une période circonscrite, qui s'est terminée, qui fait donc un objet historique. Pour nous, donc il n'y a plus d'enjeux institutionnels, c'est pas comme la Biennale de Venise qui continue toujours, ou celle de Sao Paulo. Il ne s'agit pas de réhabiliter une biennale qui est, par beaucoup d'aspects a été critiquée, et elle s'est terminée aussi parce que elle s'est un peu dégonflée, si vous voulez, à la fin. Il ne s'agit pas de réhabiliter ou d'essayer de glorifier. Non, au contraire, tout au long de ce séminaire, donc depuis octobre 2017, on essaye de tirer différents fils, d'essayer de voir à la fois ce qui s'est passé pendant ces différentes éditions, ce qui nous parle aujourd'hui. Et ce qui nous parle aujourd'hui, bah, pour beaucoup, c'est aussi l'histoire de ces années-là, de ces 25-26 années, qui sont aussi les années de guerre froide, qui sont des années, pourtant, malgré les circonstances politiques, idéologiques, les années d'échange et de circulation, des années aussi où les pratiques artistiques changent de manière considérable. Et la Biennale, parfois, est à l'écoute de ces changements et d'autres fois, non. Quand je dis qu'il y a des changements, vous savez évidemment qu'on passe de pratiques traditionnelles catégorisées dans les premières éditions de la Biennale comme peinture, sculpture, art graphique, vers des pratiques beaucoup plus au contour plus mouvant, comme performance, art conceptuel, art vidéo, installation, etc. L'objectif de ce deuxième volet, c'est à terme, et c'est l'objectif que je me donne moi donc en tant que coordonnatrice de ce projet, d'arriver à une publication synthétique mais non exhaustive sur cette biennale à partir des interventions dans le séminaire, mais aussi à partir des fonds d'archives, et en complétant par des contributions externes, parce qu'on n'a pas réussi évidemment à couvrir tous les sujets pendant ce séminaire. Alors, je suis particulièrement heureuse c'est la dernière séance thématique aujourd'hui, parce que la séance de la semaine, du mois prochain est une sorte de séances à la fois de synthèse, de bilan, de projection, mais il n'y aura pas de thème, si vous voulez, qu'on va traiter. Et je suis particulièrement heureuse que la dernière séance thématique traite du off de la biennale, des manifestations alternatives, des manifestations en marge, contre ou en réaction à la biennale, en parallèle ou en réaction. C'était un sujet qui nous était cher, à nous, quand je dis nous, à nous tous, dans le comité scientifique, et dans le petit dépliant que vous avez à l'entrée, vous avez les noms de toutes les personnes qui constituent ce comité scientifique, que je tiens encore une fois à remercier de leur présence, de leur participation très constante. Plusieurs parmi eux sont ici aujourd'hui, Mathilde Arnoux, Laurence Le Poupon, Mika Gergescu elle-même, Pauline Chevalier et Catherine Gonard. Il faudrait ajouter aussi les noms de Jérôme Bazin, Antje Kramer, Nathalie Boulouche et Paola Barrero Lopez qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Alors, on avait plusieurs sujets qu'on voulait aborder. Il y a des sujets qui sont restés non abordés, mais celui-ci, le sujet d'aujourd'hui, on tenait absolument
à le traiter. Et il fait singulièrement écho à la séance qu'on avait eue en mai l'année dernière, qui, elle, traitait des institutions, nouvelles institutions de l'art contemporain, où on avait invité des invités américains et on traitait de l'émergence plutôt des biennales d'art contemporain à un moment où la question même des musées, des institutions de l'art contemporain est fortement remise en question à travers, là aussi on parlait d'expositions alternatives, mais d'un autre type, des centres d'art et plutôt dans le contexte international. Donc ce soir il s'agira plutôt des manifestations alternatives et le off donc, de la biennale dans le cadre parisien. Voilà, alors je ne vais pas m'étaler davantage, je voulais juste vous signaler que toutes les séances, quasiment, sauf celles qui se sont tenues à Rennes, donc deux séances qui se sont tenues dans les locaux des archives de la critique d'art, toutes les autres séances ont pu être enregistrées et sont disponibles sur le carnet de recherche du programme, qui s'appelle donc bdp.hypothèse.org. Et vous y trouvez d'autres éléments aussi, à la fois d'ordre analytique que documentaire ou informatif. Alors, je voulais aussi, si tu peux juste avancer, présenter les deux intervenantes d'aujourd'hui, donc Mika Gergeshko et Julia Raymond, peut-être dans l'ordre de leur présentation, parce qu'on va entendre d'abord Julia. Et je tiens à remercier Julia d'autant plus particulièrement avant de la présenter qu'elle a accepté un peu au pied levé d'intervenir il y a deux semaines à peu près, deux, trois semaines, voilà, c'est ça. Donc elle a préparé quelque chose vraiment dans des conditions qui auraient pu être meilleures. Mais voilà, merci beaucoup. Donc Julia Raymond est doctorante en philosophie contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction de Daniel Cohn. La recherche qu'elle prépare dans le cadre de sa thèse porte sur le développement de la poésie-action de 1955 à aujourd'hui et sur les rapports que cette pratique poétique expérimentale entretient avec la philosophie, dans l'objectif notamment de déterminer le paysage philosophique de la poésie-action, sa poétique et ses boîtes à outils diverses. Parallèlement, depuis octobre 2017, Julia, dans le cadre de son contrat doctoral, occupe un poste de chargée d'études et de recherche ici même, donc à l'INHA, sous ma responsabilité, et elle travaille donc dans ce cadre sur ce programme de recherche. Et Mika Gergeshko, qui en plus d'être membre du comité scientifique du programme, elle est responsable de l'accueil scientifique et de la programmation à la bibliothèque Kandinsky au centre Georges Pompidou. Elle est docteure en histoire de l'art de l'école des hautes études en sciences sociales et travaille sur les écritures expérimentales, la poésie concrète et visuelle. Elle a été commissaire associée au Nouveau Festival en 2013 pour la section Langages imaginaires. Elle a préparé plusieurs expositions autour d'Aimé Césaire en 2016, autour de la poésie sonore et visuelle en 2017 et autour de Mikhaïl Olosh et Gerasim Luka en 2018, qui se continue aussi en 2019. Elle est par ailleurs membre du collectif Globalisation, Art et Prospective de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Donc je vous suis juste la dernière diapo. Je voulais juste donc vous annoncer la tenue de la dernière séance de ce séminaire qui aura donc lieu le 11 juin de 17 à 20 heures avec cette forme interrogative exposée à la Biennale de Paris et le mot exposé qu'il faut entendre dans toutes les acceptions, donc pas uniquement dans le sens d'une exposition physique mais aussi sur internet, les solutions numériques qu'on peut trouver pour mieux connaître ces fonds et puis évidemment le livre, quel type de publication à partir d'un objet aussi ingrat et complexe et compliqué qu'une biennale internationale réunissant sur certaines éditions jusqu'à 60 pays. Donc dernière séance le 11 juin de 17 à 20 heures et si vous souhaitez rester informé de nos activités, je vais faire circuler une petite feuille dans laquelle vous pouvez inscrire votre adresse email. Merci beaucoup et bonne séance à vous.
pardon, je voulais aussi remercier toutes les autres, toutes et tous les autres chargés d'études et de recherche qui ont travaillé dans ce programme, dont Aurore Buffetot qui est là, mais aussi Eléa Le Gagneux et Guillaume Blanc, et qui vont intervenir en même temps que moi et Mathilde Arnoux lors de cette dernière séance. J'essaie juste de retrouver mon PowerPoint qui n'était pas là. Pardon. En attendant de retrouver mon PowerPoint qui est sur l'autre ordinateur, je tiens tout d'abord à remercier Elitsa de son invitation, Mika pour nos échanges relatifs à la préparation de ce séminaire et Laurence Le Poupon qui m'a chaleureusement accueillie la semaine dernière aux archives de la critique d'art. Cette intervention s'est faite non pas dans l'urgence, mais en tout cas très rapidement. Donc j'espère pour autant qu'elle sera une belle réponse à la confiance que toutes trois m'ont accordée et qui m'a portée tout au long de cette semaine. J'arrive tout de suite. Donc, comme le disait Jean-Marc Poinceau lors de la première séance de séminaire relative à la Biennale de Paris, il n'y a pas une histoire de la Biennale, mais bien plusieurs histoires. Et aujourd'hui, je vais vous parler de celle de la présence de la poésie performance dans les éditions de la Biennale de Paris de 1963, 1965 et 1967. Donc pour cette intervention, j'ai choisi de me concentrer sur ces trois éditions qui organisent avec le concours de la RTF-ORTF et avec son service de la recherche sous la direction de Pierre Schaeffer ainsi que Jean Tardieu, une programmation de lecture de poésie dite expérimentale. Et dans cette programmation est convoqué également Jean-Clarence Lambert, qui est poète, traducteur et critique, mais surtout initiateur du domaine poétique, avec les poètes Robert Filliou, Gerasim Louka, Brian Geisin, François Dufresne et Bernard Heitzig. Donc cette programmation, une partie de la programmation donc, lui est donc confiée, et il choisit faire participer le domaine poétique. Donc je pense qu'il est d'ores et déjà important de vous dire quelle est cette association, de quoi elle revêt et surtout quelle est son importance en matière de recherche
de poésie expérimentale, aussi afin de comprendre pourquoi la RTF, via Jean Tardieu, lui demande d'assumer une partie de la programmation. Donc, cette association est reconnue dans le milieu de la poésie dès l'année de sa création en 1962, à savoir que c'est une association qui a une durée de vie assez courte, puisque elle sera dissoute en octobre 1963. Et elle se produit d'abord dans des cercles restreints et des cadres intimes, tels que la cave d'une petite galerie à l'American Students and Artists Center. Et elle offre un espace scénique aux poètes qui entreprennent depuis les années 1950 des recherches en poésie-performance. Alors, poésie-performance, ici, nous l'entendrons selon la définition qu'en donne Christina de Simone dans son livre Proféraction, poésie en action, que je vous ai apporté ici. Donc, selon elle, poésie-performance est un terme qui entend saisir de manière plus générale l'aspect d'action orale à l'attention d'un public, qu'il soit présent ou en différé. Poésie indiquant ici le travail de la mise en forme d'une expression orale du point de vue sonore, articulatoire et gestuel. Et performance, indiquant le fait de montrer, souligner, révéler à une assistante cette même action. Donc cette définition que donne Christina de Simone donc de ce terme un peu plus générique et qui englobe, on va le voir, plusieurs formes de poésie qui en tout cas usent de performance, pour le dire maintenant de cette façon-là, mais on va voir comment ça fonctionne après. Bon, cette définition coïncide avec les ambitions du domaine poétique, car ce qui prime au sein de ces soirées de lecture organisées n'est pas tant l'homogénéité que l'hétérogénéité des démarches, que l'hétérogénéité avec lesquelles les démarches et revendications des poètes, tout aussi singulières les unes que les autres, convergent vers cette même quête du renouveau de la poésie et par extension celui du langage, en y interrogeant les mécanismes de production de science, de sens, via la voix, le souffle et le corps du poète lisant. Donc, ces recherches, nous l'avons dit, sont entreprises dès les années 1950 et les poètes se mettent en quête d'un moyen renouvelé d'expression apte à conférer à la poésie un nouveau pouvoir de communication. Et ceci passe notamment à travers l'expression donc, du corps du poète lisant, l'appropriation des codes du happening et du théâtre d'après-guerre. Ces recherches ouvrent une multitude de chantiers qui aspirent à définir la poésie comme action, le mot comme acte, et le poète, si on reprend les propos de Jean-Clarence Lambert, comme opérateur de langue. La poésie, un peu plus loin, c'est ça ? Ah, ok. La poésie doit être... C'est bon comme ça ? Pas assez. Là. La poésie doit être ouverte, directe, active, en somme une expérience immédiate dans laquelle le langage retrouve son autonomie. Comme dirait Jean-Clarence Lambert dans son manifeste intitulé « Thèse pour une poésie ouverte », donc poésie ouverte qu'il prône bien évidemment pendant ses lectures de poésie, qu'il publie en 1962, les deux mouvements de la poésie aujourd'hui sont la révolte et l'aventure. Donc révolte contre le langage dominant, celui de propagande publicitaire, religieux, politique, mais aussi contre la censure, mais le spectacle et le livre, qui est devenu un produit de consommation culturelle. Et aventure au sens d'investigation et d'invention. Et donc pour ce faire, ces mêmes poètes relisent les poésies d'avant-garde du début du XXe siècle, y compris le dernier Artaud, s'alimentent des recherches en création musicale programmées notamment dans le cadre du domaine poétique créé par Pierre Boulez en 1956 et se nourrissent de celles du théâtre avec la création dès 1954 du Festival international d'art dramatique de la ville de Paris qui deviendra dès 1956 le célèbre Théâtre des Nations. Il s'inspire aussi des dispositifs de production et démonstration du cinéma, des arts plastiques ou encore de la photographie
pour en exploiter les potentialités formelles et signifiantes de l'ordre du sonore, du visuel et particulièrement de l'action. Il se convoque et se confronte à l'imaginaire technologique par l'exploration de ses ressources, investissent des expressions langagières extra-occidentales en s'ouvrant à l'anthropologie et l'ethnographie, dont les pensées à cette époque sont en plein essor, et se réapproprient pour mieux les mettre en branle les matériaux théoriques ayant contribué à la mythologie identitaire de la culture occidentale. Donc, nous en venons... ce préambule n'est pas inutile parce que ça a l'air long comme ça, mais le cadre épistémologique est assez important vis-à-vis... de la production du domaine poétique dans le cadre de la Biennale de Paris et les enjeux que nous allons démontrer, présenter. Pardon. Donc si les années 1950 font ainsi figure de laboratoire d'expérimentation et si les expériences qui en résultent ne sont présentées que sous forme de publications ou alors de lectures organisées dans un cadre restreint, les années 1960, quant à elles, voit apparaître une pluralité d'événements à vocation internationale et offrant un espace scénique aux poètes, avec notamment en prémisse des soirées de poésie directe avec les poètes de la Beat Generation, impulsées par Jean-Jacques Lebel dès 1958, puis le passage en 1961 de Fluxus lors de la tournée Festum Fluxurum à l'American Student and Artist Center, mais encore le festival d'avant-garde de Jacques Polieri, qui programme des séances de lecture-performance et qui inspire d'ailleurs à plusieurs endroits, comme le souligne Christina de Simone dans le même ouvrage que nous avons cité tout à l'heure, la Biennale de Paris. Nous pouvons aussi citer le travail éditorial d'Henri Chopin avec sa revue Cinquième Saison, devenue en 1964 la première revue de poésie avec disque intitulée « Où ». Henri Chopin, qui est aussi organisateur de soirées expositions relatives à ses poésies et qui est l'auteur en 1979 d'un ouvrage intitulé Poésie sonore internationale. Et c'est donc dans cette lignée d'événements que s'inscrit le domaine poétique, une manifestation jugée par les poètes capitale, comme en témoigne Bernard Heitzig dans son ouvrage Notes convergentes. À cette date, elle a réussi à réunir, le hasard n'existe pas, n'est-ce pas, Fluxus, la poésie concrète, la poésie sonore, action, et que depuis lors, ces mouvements, ou courants parallèles, n'ont cessé, et ne cessent encore, sous le vocable général à la mode, effort vague de performance de se côtoyer. Donc avec sa programmation à l'auditorium du Musée d'art moderne de la ville de Paris, le domaine poétique passe à une nouvelle scène. Mais quelle est-elle? Et quelles sont les conditions de cette visibilité? Alors, d'un point de vue historiographique, cette histoire est très peu renseignée puisque seulement deux ouvrages font référence à cette présence du domaine poétique au sein de la Biennale de Paris. Nous pensons à l'article de Céline Pardot intitulé « Théorie et expérimentation radiophonique des années 50, l'ambition d'une nouvelle diction poétique à la RTF », publié en 2015, dans l'acte de colloque dirigé par Jean-François Puff, « Dire la poésie » à propos des lectures publiques de poésie. Et nous pensons également à l'ouvrage de Christina de Simone que nous avons cité et dont l'enquête de cette présence du domaine poétique se base sur l'exploration du fonds d'archives privé de Jean-Loup Philippe. Jean-Loup Philippe qui est comédien devenu célèbre dans le milieu... du théâtre privé dès 1956 et à qui on a confié la tâche des réglages scéniques et on a confié la mise en scène aussi des manifestations du domaine poétique ainsi que celle de la RTF. Donc pour tirer plus de fil, nous nous sommes donc tournés vers le fonds d'archives qui est conservé aux archives de la critique d'art à Rennes, donc qui concerne les biennales de 1959 à 1971. Et de là, nous avons pu extraire quelques documents qui vont servir à nos propos. Et nous avons aussi observé, étudié ces manifestations avec mon angle d'approche, puisque, comme l'a dit Elitsa, dans le cadre de mon contrat doctoral avec l'INHA, je développe une thèse qui porte, donc pour le dire très rapidement,
sur ces relations, enfin les relations qu'entretient la poésie avec la philosophie dans son exploration des corps intimes et sociaux à travers notamment le dispositif de publication orale. Donc Poésie Action, qui est à entendre ici au sens que lui donne officiellement Bernard Heitzig en 1962. Donc je vais vous donner encore une courte définition et après nous passons au vif du sujet. Puisque de cette poésie action, il en sera aussi question dans ses manifestations du domaine poétique présentées à la Biennale de Paris. Et donc Poésie Action, donc officiellement nommée en 1962, mais les recherches autour de cette forme poétique commence dès 1955 pour Bernard Heitzig, puisque c'est l'année au cours de laquelle il entame sa carrière de poète à côté de sa carrière de banquier, et il publie son premier recueil de poésie intitulé Citodi. Il constate que la diffusion de son ouvrage est restreinte et donc que et se trouve face à l'échec des ventes. Il en vient à constater qu'il y a peu, voire plus de lecteurs de poésie et prend conscience de l'adversité à laquelle elle doit faire face, cette poésie. Elle est vétuste, tombée dans l'oubli, enfermée dans les livres et en retard par rapport aux arts de son temps. C'est pourquoi il est selon lui nécessaire, je cite, de faire assumer à la poésie les risques directs de la communication instantanée, physique et aléatoire, et de la faire ainsi sortir de la page du livre. Donc la poésie est entendue ici au même titre que la poésie sonore. On pourrait dire en un sens que la poésie action est une des branches qui constitue la poésie, qui se ramifie à la poésie performance, que donc la poésie action cherche une communication immédiate qui agit dans et en prise avec le monde. Et pour ce faire, elle a recours au corps du poète lisant devant un public sur scène, au magnétophone comme instrument d'écriture, mais aussi outil de retransmission, puisque le poète va dans l'espace urbain capter des sons et des bruits qu'il monte ensuite en studio, et qu'il diffuse par la suite sur plusieurs canaux, répartis sur plusieurs enceintes, dans la salle au moment de la lecture de son poème. Donc poésie action étant définie, nous opterons aujourd'hui plus généralement pour le terme de poésie performance, au sens où l'entend Christina de Simone, puisque il a l'avantage de ne pas référer, à la démarche d'un poète en particulier, ni à une technique sonore particulière. Et en somme, il nous permet de considérer ce champ de recherche poético-performatif comme une ère de coexistence dans laquelle les poètes issus de Fluxus, du mouvement lettriste, alors attention, je mettrai un bémol sur le lettrisme et son rapport au domaine poétique tout à l'heure, mais aussi issus de la poésie concrète, action ou encore sonore, et met en avant le fait que ces poètes ne cessent d'échanger sur leur production et de se transporter d'une recherche à une autre ou d'un groupe à un autre. Donc au vu de l'historiographie du sujet et de ce cadre épistémologique posé, nous avons pu identifier, et l'exploration du fonds d'archives, nous avons pu identifier un certain nombre d'enjeux, à savoir comment la Biennale de Paris, qui recherche également dans ces années 1960 un renouveau du langage et qui prône pour se faire l'interdisciplinarité, se fait-elle le réceptacle de la pratique de la poésie-performance ? Réussit-elle à faire état et à promouvoir cet engouement naissant pour la recherche d'une synthèse des arts, via ici notre objet d'étude, mais pas seulement, tout en conservant une scénographie divisée en sections? Comment les produit-elle et les accompagne-t-elle tout au long de ces trois éditions? Mais aussi et surtout, nous nous demanderons de quelle manière la Biennale de Paris se fait-elle le miroir des préoccupations et des difficultés de reconnaissance auxquelles fait face cette poésie-performance tout au long de ces années 1960, et ceci en dehors du cadre de la Biennale de Paris.
Donc, pour répondre à cette question, nous avons décidé de retracer l'histoire de la participation de cette poésie de façon chronologique. Nous étudierons tout d'abord la Biennale de 1963 avec la création de la manifestation annexe intitulée « Art du langage, poésie et théâtre, nouvelle tendance », dont la création semble se faire l'écho d'une poésie en plein essor, puis, ou plus justement, d'une diction poétique et d'un renouveau de la diction poétique en plein essor. Puis nous nous concentrerons sur la Biennale de 1965, qui reconduit la programmation de lecture de poésie organisée par Jean-Clarence Lambert, à la différence que le domaine poétique est dissous à cette époque. Donc nous verrons ce que cela implique et si la programmation est identique à celle de 1963. Puis nous ouvrirons notre présentation avec la Biennale de 1967 et l'entrée de la poésie, en tout cas de cette forme de poésie expérimentale, dans la section Travaux d'équipe. Donc là, j'ai mis une annonce de presse en prélude, comme l'indique le titre de cet article, qui annonce bien que la poésie fait partie est une des sections de la Biennale de Paris. Alors. Donc, comment s'organise cette manifestation ? Donc là, je vous ai mis un compte-rendu que nous allons détailler dans deux petites minutes. Donc, cette manifestation Art du langage est organisée avec le concours de l'ARTF et Jean Tardieu. Jean Tardieu qui entreprend, nous allons le voir, de son côté avec l'ARTF, des recherches sur le renouvellement de la diction poétique à la radio, convie Jean-Clarence Lambert et lui propose d'organiser une partie de cette programmation de lecture de poésie. Donc, de ce compte-rendu, en ressort... voilà, et donc en gros, ces séances auront lieu chaque mardi et chaque mercredi de chaque semaine pendant la Biennale de Paris. Et séances qui se divisent en deux sous-séances, une première qui est prise en charge par la RTF et qui est de l'ordre d'une poésie plus intimiste. Pour enlever le caractère officiel à ces séances, Tardieu propose la mise en place d'un dispositif sonore, c'est-à-dire des oreilles de lapin réparties un petit peu dans toute la salle et en gros des groupes de 2 à 3 spectateurs pourraient écouter de façon beaucoup plus calme et beaucoup plus intime. Beaucoup plus intime les textes qui sont retransmis dans ces oreilles de lapin. Et une autre séance qui est une séance de poésie dite d'avant-garde organisée réalisée par Jean-Clarence Lambert et le domaine poétique qui sera présentée une fois par semaine ce qui m'intéresse en fait ici avec ce compte-rendu est de voir la façon dont est organisée cette séance du domaine poétique. Donc on voit que la première des choses est le fait que la Biennale n'est pas productrice à proprement parler de cette manifestation, mais une plateforme de diffusion qui fournit le matériel nécessaire à la réalisation des spectacles. La deuxième qui en découle est le fait que la RTF finance une partie du programme de Lambert. Et la troisième est que la séance du domaine poétique se produira avant la séance de la RTF. Interrompez-moi si je ne suis pas claire, mais je pense que... C'est bon. Et la quatrième est la mention à la fin du texte de petits cachets. Alors voilà, c'est cette phrase. Les frais de la partie exécutée par la RTF seraient à la charge de cette dernière, qui pourrait accepter de donner également de petits cachets aux comédiens utilisés par Clarence Lambert. Alors,
quand on connaît je suis fatiguée. Quand on connaît les principes sur lesquels Lambert fonde le domaine poétique, le terme de comédien n'est pas le plus approprié, puisque justement, si la poésie performante, s'inspire de certains procédés du théâtre, pour autant, elle essaye à tout prix de s'éloigner du jeu d'acteur. Est-ce que ce terme est un signe de mauvais augure pour ces soirées de poésie performance, ou est-ce une maladresse d'usage de la part de la RTF, puisque, comme je le disais, dès 1950, la RTF engage une réflexion collective approfondie et méthodique sur la manière de dire les poèmes, le but étant d'établir un état des lieux, mais aussi de corriger, d'influencer les manières de dire et de trouver les règles d'une diction poétique nouvelle, adaptée à la fois au support médiatique utilisé et au goût des contemporains. Et pour ce faire, elle appelle de jeunes comédiens, qui sont alors recrutés sur la qualité de leur voix, mais pas sur la qualité de leur jeu. Et ils doivent adapter leur diction aux exigences du micro. Et c'est bien ce qui va se passer, en fait, pendant cette manifestation. C'est que la RTF va programmer un grand nombre de spectacles à côté de celle du domaine poétique. C'est à vocation internationale, mais plusieurs poètes ne pourront pas être là. Et ce sera donc des comédiens vont interpréter... la plupart des propositions étrangères ont été traduites par souci d'intelligibilité et sont interprétées par des comédiens professionnels. Donc pratique qui va complètement à l'encontre de celle des poètes performeurs. Et joint à cette réunion, l'avant-projet du programme de la poésie du domaine poétique présenté lors de la réunion. Donc on y voit deux premières parties qui correspondent à la poésie d'avant-garde, mais cette première partie sera en fait annulée puisque le critère pour participer à la Biennale de Paris est soit de proposer des artistes de moins de 35 ans, et donc là ils sont trop âgés. Donc le premier point et le deuxième point seront... annulé. Ensuite, nous voyons Dufresne, Heitzig, Luca, Filiou, Lambert, puis Patterson, Geising, Williams, Higgins, la poésie allemande, italienne, des pays hispaniques aussi, belge et suédoise. Et je vous ai joint à côté une affiche que j'ai photographié dans le livre « Happening » de Jean-Jacques Lebel ou « L'insoumission radicale », qui détaille un peu plus le programme du domaine poétique, parce que dans le catalogue de l'édition de 1963, le programme n'est pas vraiment détaillé, c'est plutôt celui de la RTF qui est présent. Et donc, pour bien voir la différence entre cette notion acteur, comédien venu de la RTF et poète performeur du domaine poétique, une lettre de André Almuro, qui est en charge des missions à la RTF et qui propose du coup un projet pour la Biennale de Paris intitulé Le poème et ses musiques. Et donc, ce que je trouvais intéressant ici était de le comparer du coup avec l'avant-projet du programme du domaine poétique. Et dans l'avant-projet d'Almuro, on voit bien que ces séances publiques comportent à la fois des chansons, des documents sonores, des textes avec musique, des jeunes poètes, des diseurs poétiques, des chanteurs et des cantatrices, des solistes instrumentaux, voilà. Donc du coup, c'est pas du tout les mêmes critères de diction entre ces deux séances. Ici, donc je vous montre une lettre de
Raymond Cognat, donc délégué général de la Biennale de Paris de 63, à Jean-Clarence Lambert, qui donc atteste bien de ces 5 soirées de poésie, qui atteste aussi des 1500 francs qui serviront à couvrir les frais de réalisation des 5 séances qui sont confiées au domaine poétique. Je voudrais attirer votre attention sur le dernier, l'avant-dernier paragraphe. Donc, vous voudrez bien trouver 6 juin la liste des pays qui ont accepté de participer à la prochaine biennale. Il nous paraît normal, en effet, de ne présenter dans la section de poésie que les œuvres de ces pays. Enfin, bien que l'organisation de cette section de poésie garde cette année encore un caractère officieux, il nous semblerait opportun de donner un accord de principe à certaines ambassades sur le choix des auteurs présentés. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la notion de caractère officieux. Alors, quel caractère, enfin, qui est-ce qui est officieux en fait dans ces séances? Parce que la RTF bénéficie d'un programme très riche, très large, dont nous allons voir un rapide aperçu tout à l'heure. Est-ce que c'est la poésie du domaine poétique ou est-ce la poésie à proprement parler? Nous allons voir en tout cas que ce terme reste dans nos têtes. Donc, ensuite, je vous ai mis donc, le tableau des répétitions qui démontre bien cette fusion, en tout cas cette volonté de fusion des genres, des arts du spectacle dans cette manifestation. Puisque nous avons donc des... Alors sur la première... Pardon, mais en fait je ne vois pas très bien mes diapos. Donc on a en fait du jazz, le théâtre d'essai qui cohabite avec la manifestation art du langage, mais aussi avec les lettristes, ainsi que avec des concerts. Enfin, la conception de ce programme donc, et le texte de présentation du catalogue. Sous le titre « Art du langage » seront donnés les mardis 1, 8, 15, 22, 29 et les mercredis 2, 9, 16, 23, 30 octobre à 18h des séances de poésie et théâtre, poèmes, spectacles, lectures dramatiques, compositions visuelles et sonores. Ces séances présenteront une sélection internationale d'œuvres nouvelles réalisée par la radio-télévision française avec le concours du domaine poétique. Pays participants, Allemagne, Argentine, Belgique, Brésil, Cuba, Danemark, Équateur, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Mexique, Norvège, pays africains d'expression française, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Suède, Suisse, USA, URSS. Direction artistique, Jean Tardieu et Jean-Clarence Lambert. Mise en scène, Jean-Loup Philippe. Et il revient au domaine poétique d'en inaugurer la programmation. C'est juste là. Avec, selon l'ordre d'apparition, Dufresne, Lucas, Lambert, Aitzik et Filio. Puis vient la programmation de la RTF avec, comme nous pouvons le voir, des poètes latino-américains, anglais, américains issus de la Beat Generation, Fluxus ou encore du Black Mountain College, des poètes allemands, scandinaves, japonais, portugais, africains, belges, tels que Christian d'Entremont et Théodore Koenig, cofondateurs du groupe Cobra et cofondateurs plus tard de la revue Fantomas. Et outre le groupe du domaine poétique, on y trouve également une soirée organisée par Jean-Jacques Lebel avec son happening Incident, ou encore une soirée animée par Philippe Solers autour de la revue Telle Quelle. Selon le programme de la section qui est un peu plus détaillé, ces manifestations souhaitent mettre en évidence une volonté commune à des nombreux poètes de traiter le matériau poétique avec un maximum de liberté, comme font les artistes non figuratifs pour le monde des formes ou les compositeurs électroniques pour celui des sons.
et d'échapper à l'imprimé pour trouver des moyens de communication plus directs et plus concrets. D'où le style spectaculaire des manifestations art du langage, où la participation personnelle des poètes, la mise en scène, les enregistrements, voire le cinéma et le jazz jouent une part importante et effacent en plus d'un cas la frontière entre poésie et théâtre. Tout semble donc sourire à Jean-Clarence Lambert, qui souhaitait avoir la confirmation de l'intérêt de sa démarche et de toucher un public élargi tout en prenant connaissance des recherches étrangères, lui permettant de tisser des liens en dehors du cadre parisien. D'ailleurs, de cette internationalisation et interdisciplinarité, il en fait lui-même la promotion à travers la presse, comme le montre cet article « La poésie ouverte tient ses états généraux » ou « La langue déchirée à coups de couteau », dans laquelle il fait l'éloge de cette poésie ouverte et de l'importance de ses manifestations. Tout est dit, l'expérience de la scène fait des arts du langage, des arts du spectacle, interdisciplinarité qui est également relayée dans la presse via Alain Jouffroy, lui-même qui participe en tant que poète à cette manifestation, et dit à ce propos, donc c'est juste le passage souligné. Ah oui, mais vous ne voyez pas très bien, vous non plus. En résumé, deux objectifs, transformer la poésie contemplative en poésie active, rétablir le contact direct entre le poète et son public, puis, si l'emprise réussit, créer des formes inédites de spectacle où la poésie cesse d'être enfermée dans un livre. Donc, officiellement, tout semble aller. Le domaine poétique semble trouver sa place. Il y a aussi d'autres annonces de presse et articles de presse qui en font des éloges ou en tout cas les citent et détaillent les programmes. Mais undercover, l'histoire est quelque peu différente et il est possible de la retracer grâce à la brève histoire que nous livre Christina de Simone donc, dans son livre Proffert Action suite à son exploration du fond de Jean-Loup Philippe. Et rappelons-nous, la section poésie est encore une section officieuse, donc elle n'est pas vraiment encore définie. La RTF finance une partie de la programmation du domaine poétique. Cela va poser quelques problèmes finalement au domaine poétique qui va se trouver finalement noyé dans l'immensité de cette manifestation qui augmente la confusion entre acteurs et poètes et qui oriente davantage vers l'état d'esprit du club d'essai de la RTF et des spectacles organisés au théâtre de l'Alliance française que vers celui du domaine poétique. De plus, selon Christina de Simone, le domaine poétique ne dispose pas de la meilleure attention du public. Selon les comptes rendus, le public ne semblait pas prêt à recevoir les propositions. Alors, ce qui serait intéressant ici, c'est justement de comparer ces fonds, ou en tout cas ce fonds privé à celui de la Biennale de Paris, puisque l'histoire semble complètement différente, ou en tout cas est beaucoup plus est moins lisible dans le fond de la Biennale de Paris où on n'a pas accès à toutes ces informations, où on a l'impression que finalement tout s'est plus ou moins bien passé. J'en viens à la Biennale de 1965. Donc, nous l'avons dit, à cette date, le domaine poétique est dissous, mais son héritage perdure. Les poètes réinvestissent d'eux-mêmes les recherches entreprises et tout particulièrement par l'intermédiaire d'Henri Chopin la création de sa revue et des événements autour de cette revue dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, malgré cette dissolution, Jean-Clarence Lambert est reconduit, si j'ose dire. En tout cas, on lui propose de réorganiser des soirées de poésie performance, donc comme témoigne cette lettre. Ces cinq séances permettront une présélection dans laquelle le Jean Tardieu et ses services feront un choix en vue d'un programme dont il aura seul la responsabilité.
spectacle qui sera présenté au théâtre de l'O2 de l'ORTF. Donc, bien que Jean-Clarence Lambert a... En fait, on se retrouve dans le même schéma. Jean-Clarence Lambert a une part de la programmation, mais Jean Tardieu reste toujours avec l'ORTF dans cette organisation. Alors, dans cette lettre, donc les choses se corsent un petit peu pour deux raisons. Donc, c'est une lettre de Raymond Cognat à Jean-Clarence Lambert. Donc, Raymond Cognat conseille vivement à Jean-Clarence Lambert de prendre contact avec le groupe Lettriste, afin que certains de leurs représentants ne soient pas exclus de cette rubrique poésie. Alors, à cette époque, Jean-Clarence Lambert n'est pas proche des lettristes. Ce n'est que quelques années plus tard que les protagonistes de la poésie performance reconnaîtront que le lettrisme a une certaine place dans le domaine de la recherche poétique et performative d'après-guerre. Seul Dufresne, en ce qu'il explore d'autres terres qui l'éloignent du lettrisme et en ce qu'il montre son désir de n'appartenir à aucune école ni à aucun groupe, en tout cas de manière exclusive, participe aux manifestations du domaine poétique. Donc ça, c'est la première chose. Et dans cette lettre, la deuxième chose qu'on apprend, c'est qu'en fait, une des soirées dédié à la lecture de poésie performance est ôtée à Jean-Clarence Lambert et qu'elle est confiée au groupe de la Galerie des Jeunes qui présentera un spectacle dont le caractère d'ensemble ne concorde pas avec le théâtre d'essai et se rapproche davantage d'une synthèse poétique. Alors, en réalité, il s'agit donc du spectacle Babel de David Gardon et les mimes de Pinocque Matteau. Et donc, à ce sujet, Jean-Clarence Lambert dit que pour lui, il lui est impossible de changer toutes ces dates et que la Galerie des Jeunes doit se produire non pas le 2 novembre, mais plutôt le 5 octobre. Il relève que ces programmations sont très difficiles pour lui, puisque avec Jean-Loup Philippe, ils font de gros efforts sans financement d'aucune source. Alors, c'est vrai que dans le fond, je n'ai pas croisé de documents ou alors peut-être, excusez-moi, j'ai un doute. Voilà. Donc c'est vrai que dans le dossier 1965 relatif à la poésie, je n'ai pas croisé de document qui stipulait que, comme dans la Biennale de 1963, les lectures de poésie performance bénéficieraient d'une certaine somme. Et d'autre part, financement d'aucune source, c'est que dans le domaine de la poésie performance hors Biennale de Paris, ces événements de poésie souffrent de toutes les façons d'un manque de financement. Donc le financement, s'il ne vient pas de l'intérieur, peut difficilement venir de l'extérieur. Et ce que réclame aussi Jean-Clarence Lambert dans sa lettre, c'est d'ouvrir en fait la poésie performance en dehors de l'auditorium de la Biennale de Paris et justement de se servir de la Galerie des Jeunes comme d'une autre plateforme de diffusion, puisqu'il dit il serait absurde de se limiter au petit public d'une seule salle. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Donc, il joint à sa lettre donc le programme qui est un peu moins fourni que celui de 1963.
voici la réponse de Raymond Cognat, qui lui dit qu'il est absolument impossible de changer, en fait, qu'il a tout essayé, mais qu'il est impossible de redonner une date supplémentaire à Lambert. Or, je ne les ai pas numérisées, avec regret aujourd'hui, mais en réalité, Cognat met les formes, met le protocole d'accord avec Michel Journiac, qui représente la Galerie des Jeunes, et du coup qui propose le spectacle Babel, a été signé le 24 mai 1965. Soit... bien avant la lettre de Lambert, qui demande à ce que les dates soient changées. Et bien avant aussi cette réponse de Jean Cognat, qui dit qu'il est impossible de changer quoi que ce soit. Alors, c'est celle-là. Pardon, je suis revenue. Ah ben non, pardon. Nous comprenons aussi dans cette lettre que Jean-Clarence Lambert a menacé d'annuler la programmation de lecture de poésie. Puisqu'il dit « J'espère que votre menace de renoncer à ces manifestations, dans le cas où nous ne pourrions vous donner satisfaction, n'était que le reflet d'un moment de mécontentement bien compréhensible. Mais je dois vous dire que si vous deviez maintenir cette attitude, cela ne changerait rien à la décision, malgré le grand regret que j'en aurais. » Jean-Clarence Lambert maintient quand même l'organisation de poésie, dont de lecture de poésie, dont nous avons donc là un vrai aperçu, où il est question de Poésie Action, Alain Jouffroy, Zarb, de Jean-Clarence Lambert, de Jean-Jacques Lévesque, et à côté de ça, la programmation de la Galerie des Jeunes, spectacle présenté par le groupe de la Galerie des Jeunes, Babel, Opéra de David Gardon. Donc voilà les documents qui sont présents dans le fond, dans le dossier 1965. Pour en savoir un peu plus, l'ORTF continue d'animer la Biennale de Paris et la section poésie par des émissions radiophoniques. Donc là, c'est Langage poétique contemporain. Le poème révolté, la prestation pacifique dans le monde, ou encore Poésie d'aujourd'hui en Amérique latine. Et n'ayant pas plus d'informations, je me suis donc tournée vers les articles de presse. On voit que ces articles, ou ces annonces, en tout cas pour ces deux-là, parlent d'art plastique, de théâtre, de cinéma, de danse, de musique, de télévision, mais en aucun cas ne mentionne la poésie ou les soirées de lecture performées. Là, je me suis dit, je vois le terme calembour, je me suis dit, peut-être vais-je lire quelque chose sur la poésie, mais non plus. Il s'agit plus d'une critique acerbe de la section peinture. Je suis allée du côté des articles qui signalait en marge de la Biennale, mais rien non plus. Et j'ai enfin vu cet article où il y avait enfin la poésie, mais en fait, ce n'est la seule chose que cet auteur a trouvé de poétique sont les toilettes de la Biennale de Paris. Donc, pas de poésie. Et c'est du côté des poètes eux-mêmes que j'ai trouvé des informations. Et là est une des réalités de la poésie performance de cette époque. C'est pour ça que c'est assez incroyable que cette histoire se retrouve dans celle de la Biennale de Paris via ces manifestations annexes. C'est que certes, en 1963, la poésie performance est en plein essor, les événements, donc on l'a vu, se multiplient, mais cet essor ne dure
que ne dure pas longtemps. Et on assistera à de nouveaux événements dans les années 1970, mais en tout cas, il y a vraiment un creux en 65 et 67. Et c'est les poètes eux-mêmes qui pallient en fait à leur diffusion et enfin à leurs problèmes de diffusion en créant des revues et en multipliant les lectures par le biais de ces revues. Et donc pour que tout ça devienne concret, avec du coup ce numéro spécial de la revue OU créé par Henri Chopin, je vais l'accompagner d'un enregistrement sonore. Et avant ça, donc du coup, dans la première partie de cette revue, est détaillé le programme. Et le programme qui est exclusivement réservé à la poésie performance. Il n'y a pas question de l'ORTF, mais en tout cas, c'est vraiment cerné sur ces poètes performeurs. Et donc, je vous propose d'écouter ce poème partition de Bernard Haitzik, qui a été présenté lors de cette biennale de 1965. Alors, du coup, mon PowerPoint. Je fais. Ok, merci. Ce poème partition.
donc se compose de deux parties. La première partie est faite de la superposition de trois voix, donc de trois textes lus simultanément chacun, qui sont de fait saisissables que par bribes. L'autre face joue un rôle, alors je cite ce que disait Bernard Heitzig, joue un rôle de réactif, de reflet, qui dans H1 pourrait être celui de l'organisateur et dans H2 celui de l'organisé, celui qui organise le plan. C'est un poème partition qui traite de l'un des piliers de l'économie, à savoir le plan. Nous avons un deuxième exemple de ces poètes qui se diffusent eux-mêmes avec texte imprimé qui s'appelle « Le principe d'incertitude » de Jean-Clarence Lambert, 5 partitions de poésie rationnelle créées le 19 octobre 1965 au Musée national d'art moderne de Paris, dans le cadre de la Biennale des Jeunes. C'est un manuscrit réalisé par l'auteur, tiré à 200 exemplaires. Le manuscrit original dans le manuscrit original, les dessins sont de Rodolfo Crasno et les photos sont d'André Morin. Donc ce principe d'incertitude se divise en 5 partitions que je vous ai mis là, avec cette reproduction photographique faite par Morin et ses dessins. Et donc ça a été mis en scène pendant une des soirées de poésie performance. Ah, nous arrivons à la Biennale de 1967. Et c'est une ouverture, donc. En 1967, il n'y a plus de programmation de lecture de poésie performance. La RTF ou RTF diffuse tout autant de la poésie via spectacle, lecture, etc. Mais en tout cas, plus d'interventions de poésie dite plus expérimentale, type poésie performance. En revanche, Jean-Clarence Lambert propose dans la section travaux d'équipe un projet objet et machine à langage. Donc il dit œuvre d'art, objet d'art, celle-ci, majeure et cela, non, les unes guettées par le musée, les autres nous guettant, perchées sur le marbre des cheminées, témoins muets et vite inaperçus de notre petite existence, une telle distinction d'ordre hiérarchique a fait long feu. Aujourd'hui, dès qu'un artiste l'a choisi, n'importe quel objet accède à la dignité d'œuvre, hors de la masse indistincte des choses, transmutation des valeurs, de même le poète, quand il souhaite agir sur le langage, il modifie les signes et les significations en les isolant de notre masse de manœuvres quotidiennes. Il est donc logique qu'une sorte d'entraide se soit établie, dont il est résulté des objets et machines à langage, paroles devenues concrètes, objets devenus parlants. En voici quelques exemples. Mais attention, nous sommes ailleurs. Rien à voir avec la sociologie, la crise du livre, les techniques audiovisuelles. Nous sommes au pays des belles choses et qui parle. Il est une fois. Donc c'est une épreuve d'actylographie du texte de présentation destiné au catalogue de la Biennale de Paris de 1967. Et est joint dans le dossier d'archives la liste des participants. Julien Blaine, Jean-Pierre Bory, alors je vois pas très bien, Folivol, aussi Adriano Spatola. Moi qui m'intéresse aussi particulièrement, enfin ces participations m'intéressent particulièrement parce que Julien Blaine est connu pour sa poésie qu'il nomme élémentaire, c'est-à-dire qui s'attache à l'invention d'une langue qui advient, comme il dit, en chair et en os, et qui fait appel au corps et à la voix en tant que matière. Adriano Spatola, qui est
connue pour la synthèse des poésies qu'il exploite, qu'elles soient visives, concrètes ou spatiales, mais aussi pour son livre très connu dans le milieu qui est publié en 1993, qui s'intitule « Vers la poésie totale », pour qui tout est susceptible de devenir poème, pour faire très, très court. Jean-François Bory, qui consacre une anthologie à la poésie visuelle et qui réhabilite une certaine forme poétique chez Raoul Haussmann en publiant un ouvrage sur ce dernier. Du coup, ils sont acceptés. Et je vous ai mis le formulaire de participation de Julien Blaine parce que j'ai beaucoup aimé ce sculpture poésie en haut. Voici la seule trace, en tout cas dans le fond, d'une de ses productions, de ses travaux, ce travail d'équipe, qui est donc la sculpture poétique de Jean-François Bory, intitulée « Contre-histoire ». Donc cette diapositive marque aussi la fin, presque fin, de mon intervention. Donc ainsi va la vie de la poésie performance à la Biennale de Paris, mais aussi va la vie de la poésie performance dans le cadre parisien. Il faudra attendre plusieurs années pour que les ouvrages, les thèses ou les articles sur le sujet poésie-performance se multiplient. Il faut attendre encore apparemment pour que sa présence à la Biennale de Paris soit réalisée. En tout cas, je pense qu'avec cette intervention, enfin, j'ai trouvé qu'il était intéressant avec cette intervention. Ou en tout cas, ça m'a donné envie, ou j'en sais rien, mais d'explorer d'autres fonds qui viendraient compléter ces sources déjà existantes. D'autre part, parce que. D'une part, et d'autre part, parce que en travaillant sur ce sujet, plusieurs autres problématiques et sujets qui ont été abordés dans des séances précédentes m'ont fait écho. Je pensais notamment à la séance 5 et à l'intervention de Catherine Gonard, justement sur la RTF ou RTF, ou encore à la séance 6, qui questionnait la place des pratiques performatives et sonores à la Biennale de Paris à partir de l'édition de 1975. De ce constat, voir si dans les années 70, puisqu'en 1969, c'est aussi pour ça que mon intervention s'arrête là, il n'y a pas de trace de cette poésie performance, mais en tout cas si dans ces dossiers des années 70 il y a trace de poésie. Alors je sais déjà qu'en 73 par exemple il y a Bill Buckley et qu'il est accepté à titre c'est une candidature à proprement parler, mais voilà comment croiser avec ces différentes problématiques et sujets des séminaires précédents. Cette question de l'archive vis-à-vis de ces pratiques, cette question de la présentation, cette officialisation et cette officiosité, comment est-ce que les manifestations annexes ont servi de tremplin, toutes ces questions, en fait, méritent, en tout cas, je pense, d'être posées. Et je vous remercie de votre écoute. Alors, on peut prendre des questions maintenant. Pour des besoins d'enregistrement, il faut parler dans le micro si vous voulez poser des questions. Mais voilà.
C'était super ce que tu as fait. Puis, c'est des documents que je n'avais jamais vus sur l'ORTF. Et ce que je voulais te demander, c'est de sourcer le document audio que tu nous as passé. Parce que, tu vois, là, j'aimerais bien savoir comment il a été enregistré, etc. Donc, est-ce que tu peux le dire, là ? Oui. Alors, comment il a été enregistré ? En fait, ce poème partition fait partie d'une série de poèmes partition qu'Haïti commence en 1962, il me semble. En général, en fait, c'est sur la technique de réalisation, c'est ça ? Oui, et surtout comment on les a conservés. Enfin, comment ça se fait que tu les as en fait ? YouTube. Mais. Est-ce que tu as essayé de voir si dans les fonds INA, il y avait des choses ? Non, j'ai pas eu le temps. D'accord. Mais merci beaucoup. Parce que je pense que c'est là qu'il faudrait qu'on aille regarder. Parce que comme beaucoup on a conservé quand même beaucoup de moments de la Biennale en radio, c'est possible qu'on les ait ou par les bancs d'essai aussi. Parce que j'ai épluché du coup les documents qu'Elitsa m'avait donnés et que sur toutes les ressources que Guillaume a constituées tout à fait sur l'INATEC, et j'ai rien trouvé. Le problème, je pense, c'est là aussi pour ce genre de documents, ça va être la documentation. Enfin, comment ils ont été documentés eux-mêmes. C'est ça. Tu vois, parce que le problème qu'on va avoir là, c'est vraiment un problème de méthodologie, pour revenir à nos soucis. C'est que si on les a conservés, il faut que ce soit des personnes qui sont conscientes de ce qu'était la Biennale de Paris pour les documenter. Et donc, en fait, il faudrait. Si quelqu'un avait du temps, aller écouter ce qui correspond à ces moments-là en temps dans les fonds INA de ce qu'on a conservé pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait correspondre à ça. Oui. Parce que chez nous, les documentalistes, évidemment, ne sont pas obligatoirement très conscients de ce que c'est les sons qu'ils entendent. Et c'est pour ça que je te posais cette question. Parce que pour retrouver ces moments-là, par exemple, de poésie, il faut déjà avoir conscience de ce que c'est et qu'est-ce que. Parce que moi, j'ai eu exactement le même type de problème en voyant dans des émissions de télé des performances, des moments de lettrisme. Où si tu n'es pas conscient de ce que c'est du lettrisme, tu ne l'indiques pas, en fait. Oui. Et donc, moi, c'est pour ça que je te posais toutes ces questions, parce que dans ce cadre-là, il faudrait qu'on puisse les identifier, d'où ils viennent, pour pouvoir les retrouver, même sur YouTube, pour retrouver ce qui est d'où peut-être... D'où ça vient, oui, ouais, tout à fait. D'où ça vient. Si je peux juste me permettre de compléter, d'abord merci beaucoup, je n'ai pas eu la présence de te remercier, mais pour compléter ce qu'a dit Catherine, ce que je trouvais très intéressant, et c'est vrai que ça nous intrigue depuis le début de mieux connaître la participation de la RTF au RTF, on savait qu'il y avait, en regardant ces dépliants des biennales des années 60, je savais qu'il y avait des émissions enregistrées, des enregistrements qui étaient diffusés dans l'auditorium, et tu as très bien montré que c'est la participation effectivement de la RTF que de faire diffuser des enregistrements. En revanche, il y a aussi l'autre volet, c'est que la RTF enregistrait aussi les choses qui étaient en live, entre guillemets, dans le cadre de la Biennale. Et là, je pense au fond qu'on a numérisé, mais qu'on ne connaît pas encore bien... Parce qu'on a numérisé un certain nombre d'enregistrements audio liés à la Biennale, qui sont à Rennes, mais qui sont davantage des enregistrements de colloques, je pense, et plus tardifs, d'accord. Mais effectivement, ce que dit Catherine, c'est ça, c'est que peut-être que ces moments de poésie performance, il se peut qu'ils aient pu être enregistrés. Ce serait bien. Ce serait intéressant quand même. Ça serait... Il a été aussi enregistré par Chopin lui-même, qui commence avec Ouf, il commence à en faire des enregistrements sur vinyle,
il récupère, il enregistre en direct auprès des poètes. Et je ne me souviens plus si le numéro spécial de la Biennale est accompagné d'un vinyle. Non, je ne pense pas. Mais la plupart des numéros doux sont avec un vinyle, soit sur la poésie sonore historique, et ça serait intéressant de voir d'où il a récupéré Hülsenbeck ou Haussmann ou d'autres enregistrements, et des enregistrements faits par les poètes sonores. Pour Haïtique, c'est une autre histoire, oui. Parce qu'après, c'est le soleil noir qui commence à se mêler, oui. Et qui édite des vinyles. Mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'ai cru... Enfin, vous avez dit Biennale de 1965, vous nous avez passé l'enregistrement, Bernard Haitzig, et vous nous avez dit 1963. Ah, parce qu'en en fait, il l'a enregistré en 1963, et il l'a rejoué en 1965. C'est comme en 1963, il passe Poème, Partition, Exorcisme, B2, B3, mais en réalité, il l'avait joué dans le cadre du domaine poétique en 1962 à l'American Center. C'est quand, voilà, il y a... C'est pas forcément de l'inédit. Mais du coup, est-ce que tu peux peut-être, pour nous profanes, en tout cas moi, qui ne sommes pas familiers, peut-être expliquer un peu les différences, parce que tu as beaucoup, au début de ton intervention, tu as beaucoup parlé de cette notion de comédien qui ne s'applique pas, qu'en quelque sorte, elle est réductrice par rapport à la poésie performance, qu'elle reflète des pratiques qui étaient courantes à la radio et qui étaient courantes aussi pour les participations internationales, où on traduisait les textes, et ils étaient joués par des comédiens, etc. Et en même temps, là, en parlant de Haitzig et de cette partition, tu dis qu'elle est à la fois enregistrée et jouée. Est-ce que pour ces poètes, ces artistes, les deux sont équivalents, l'enregistrement et l'expérience jouée? Est-ce que dans le cadre de la Biennale, ils faisaient davantage vraiment de la lecture réelle, ou est-ce qu'ils diffusaient eux-mêmes aussi, mais alors leurs propres enregistrements? En tout cas, pour Bernard Haitzig, il le fait à peu près... il le fait tout le temps de cette manière. Il procède tout le temps de la même manière. Il y a cet enregistrement en studio, composé en général de plusieurs voix qui se superposent, puis vient la voix du poète en direct. Et en fait, c'est comme une bande sonore sur laquelle il... Comme vient... Luigi Nono, c'est comme... Okay. Voilà, et à la Biennale de Paris... on ne peut jamais être sûr à 100%, mais qu'il a amené sa bande sonore et qu'il a lu sur cette bande sonore. Ça, c'est son processus de création. Pour revenir sur le terme, quand tu te demandais pour comédien, enfin dans le texte, je pense qu'il ne faut pas trop que tu t'attaches à ce genre de choses, parce que en fait, moi qui ai l'habitude de voir les dossiers de production et tout ça, c'est les termes. On est quand même dans une administration. D'accord. Quand tu es du côté RTF ou RTF, oui. Et donc il faut qu'ils aient des catégories pour pouvoir expliquer les financements, etc. D'accord. Donc dans ce type de courrier complètement administratif, en fait, ils sont des comptes rendus pour expliquer les subventions qu'ils vont donner. Enfin, c'est une forme de subvention. Hein. Comme là, on est vraiment dans une institution complètement d'État, il faut absolument qu'ils trouve des termes, et comme en plus les personnes qui vont faire les contrats ou qui font les, tu vois, vont employer des termes qui peuvent te sembler étranges, mais pour eux il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer les financements, en fait. Voilà, c'est tout. D'accord. Ça. Merci. Et moi j'avais encore une petite question sur parce que tu as parlé de poésie action, poésie performance, et à un moment donné il y avait aussi la poésie ouverte. Oui. Et je voulais juste savoir un peu plus. Alors, c'est Jean-Clarence Lambert qui parle de poésie ouverte et qui définit une thèse de la poésie ouverte en 50 points. Donc, de mémoire, là, j'ai la date qui saute, mais. Oui, c'est ça, c'est 62-63.
Et en fait, donc, sur ces 50 points, il explique ce que doit être cette poésie et surtout ce renouveau de la poésie. Donc, en soi, c'est que, comme je le disais, le poète doit être opérateur de langue. Il met aussi en avant le fait de parler plusieurs langues ou de jouer de plusieurs langages. Que la poésie doit être action dans le sens où elle doit réveiller les consciences, mais aussi le corps. Le mot... En fait, c'est redonner la valeur sémantique un petit peu au mot, qu'il juge fade, dû à l'essor de la société de consommation, etc. Et c'est aussi une position de l'artiste, du poète, enfin oui, de l'artiste, ça irait aussi dans certains cas, mais qui prend ses responsabilités vis-à-vis de ce qu'il dit. Donc après, et prendre des risques aussi vis-à-vis de cette exploration d'un autre langage. J'ai une dernière question, mais extrêmement factuelle. Quand tu as parlé de l'association Domaine Poétique, tu as dit qu'elle était dissoute en octobre 63. Alors oui. Et c'est la fin de la biennale. Et je me demandais s'il y avait un lien ou pas du tout. Non. Merci en tout cas. Comme le temps avance, on va peut-être passer la parole à Mika. Et puis après, si on a le temps, on peut toujours avoir de nouvelles questions communes. Merci encore. Merci Elitsa pour cette invitation. Merci Julia, parce que je pense qu'il y aura des très bons plans raccords entre ta présentation et la mienne. C'est pour ça qu'on a décidé de changer et de la faire d'une manière plus ou moins chronologique. Mais ça montrera aussi un peu ce qu'on entend par alternatif et Biennale de Paris. C'est une discussion sur l'alternative qui est issue des discussions du comité scientifique, donc je livre un peu la cuisine des débats, et notamment mise en parallèle avec cette effervescence programmatrice qui est celle de la Biennale de Paris, l'effervescence des programmations annexes, dites manifestations annexes, qui sont soit extrêmement conservatrices, voire réactionnaires, soit extrêmement innovantes et interstitielles dans l'ensemble de la programmation de la Biennale de Paris. Donc on avait envie d'interroger cette alternative-là, les zones off de la Biennale de Paris, et de voir comment on peut approcher la dissémination programmatrice de la Biennale de Paris et l'interroger par un autre moyen que par uniquement les participations et les sélections officielles. Donc, peut-être un préambule de méthodologie. Je souhaitais approcher la question de l'alternative et de la Biennale de Paris, qui n'est pas forcément associée avec l'idée d'une biennale alternative. Ce n'est pas tout à fait le lieu d'une biennale alternative, mais de le penser sur un plan de topographie de l'art. De penser, mais qu'est-ce qui se passe à Paris au moment des éditions de la Biennale, tout bêtement, qui programme quoi, qui fait quoi au même moment, et qu'est-ce qui se passe sur une échelle presque stratigraphique des événements parisiens pendant les éditions de la Biennale, bien sûr, dans les amont, dans les après Biennale, comment cette dynamique se construit. J'avais aussi d'interroger alternatif, mais alternatif pour qui ? On se situe dans un alternatif de la Biennale, des manifestations alternatives à la programmation de la Biennale, des manifestations dites annexes qui sont intégrées dans la programmation de la Biennale. Qu'en est-il de ces annexes-là ? Qu'en est-il des programmations qui
qui se projettent et se construisent au moment des vernissages de la Biennale de Paris. Alternative pour qui aussi? Pour des participants qui pensent que la Biennale est véritablement un levier d'expression et de liberté. Les interventions précédentes de Annabella Tournon sur la participation et la sélection d'Angel Klinkenberg et l'Amérique latine ou de Clara Kemp Welsh ont montré bien que l'alternative était pour certains participants qui venaient du bloc de l'Europe centrale et de l'Est ou de latino-américains, l'alternative c'était d'être à la Biennale de Paris finalement et d'exposer et de programmer et d'être montré. Bon, enfin, donc, alternatif se décline sur plusieurs registres, je trouve, dans la Biennale de Paris. Donc, j'avais envie de l'approcher par cet questionnement multiple. Toujours sur le plan de la méthode et de la méthodologie, comment investiguer les manifestations alternatives autour de la Biennale de Paris ? Avec les archives de la Biennale et en dehors des archives de la Biennale. Parce que pour reconstituer une histoire plus ou moins cohérente de ces manifestations, il faut compléter et mettre en résonance des fonds d'archives privées, bien entendu, des fonds de manifestations alternatives ou avoir accès à des fonds qui, aujourd'hui, soit auprès de certaines institutions, soit auprès de détenteurs comme Jean-Louis Philippe, sans doute, qui doit avoir son petit stock d'archives autour du domaine poétique, et auprès d'autres types d'interventions et d'archives de la programmation. Donc, penser alternative et programmation dans cette perspective projetée. Troisième point de méthodologie, après je m'arrête, c'est toujours une question de langage. J'ai choisi ce titre pour mon intervention d'après un tract que j'ai retrouvé, c'est dans le fond documentaire d'Yves Kovacs qui se trouve, vous ne voyez pas très bien, mais qui se trouve à la bibliothèque Koniski. C'était un tract diffusé de manière anonyme à la Biennale de Paris en 1973 et qui indiquait sur un papier A4 invitation pour signaler ce qui est exposé sans invitation. Donc je n'ai pas l'auteur, j'ai quelques pistes pour cette tract anonyme. Et vous verrez peut-être que dans l'évolution et dans le déploiement de ma présentation, cet auteur se montrera lui-même, ou pas. Voilà, donc c'était de penser cette ambiance satellitaire de la Biennale de Paris sur une perspective pas diachronique à tout prix, mais de penser les multiples histoires, les multiples vies de cette Biennale, les multiples programmateurs de cette Biennale, le fait que certains moments, je reviendrai après, certains moments sont des moments de véritable rupture conceptuelle, idéologique, mais des ruptures aussi dans la manière de penser la distribution des événements à la Biennale de Paris. Je pense notamment à ce moment de la Biennale de 1975 qu'on n'évoque pas assez et qui est un moment où la Biennale, après toutes les crises de 71 et de 73, commence à s'ouvrir vers tout type de manifestations parallèles, extraordinaires ou extravagantes. J'y reviendrai aussi. Et ensuite, voir comment la Biennale s'affronte avec l'ouverture de nouvelles espace de programmation innovante, originale, comment la Biennale travaille avec des sélections qui ont lieu au même moment au Salon de mai, puisque certaines figures très, très innovatrices des sélectionnées de la Biennale seront exposées au Salon de mai au même moment, comment la Biennale négocie ou pas avec les grandes programmations du Festival d'automne, qui à partir de 1972 se situe vraiment dans une dynamique de programmation parallèle conséquente, qui accueilleront Bob Wilson, Martha Graham, Merce Cunningham, bien avant qu'ils soient présents sur d'autres espaces ou sur d'autres sites parisiens.
Enfin, comment elle gère dans les manifestations annexes les instances programmatrices canoniques comme l'American Center for Students and Artists du boulevard Raspail et qui aura une place absolument essentielle dans la manière dont les programmations de la biennale ou les artistes qui seront choisis, sélectionnés dans la biennale auraient été déjà présentés à l'American Center. Donc, si on fait une petite incise sur American Center for Students and Artists, j'y reviendrai pas parce que c'est American Center for Students and Artists qui était ouvert à partir de 1949 boulevard Raspail, qui ferme en 1975 et qui rouvre en 1978 avec la direction artistique de Don Foresta. Donc, entre 49, après 49, toutes les vies, les différentes vies de American Center for Students and Artists, c'est sur le site du boulevard Raspail que les premiers festivals Fluxus seront accueillis. En 62, c'est Matsunas qui vient et qui performe à Paris. C'est à l'American Center en 63, avant de retrouver l'histoire de la biennale, que le domaine poétique se manifestera avec Aitik, Geissin, Dufresne, avec Lucas. C'est American Center qui accueillera l'atelier de la libre expression et toutes les formes de happening sous la direction de David Davis. Et à partir de 64, c'est là que Living Theatre choisira de performer et de monter ses happenings. Et un peu plus tard, vers la fin des années 70, sous une autre direction plus contraignante, Henry Pillsbury accueillera les ateliers de John Cage et de Steve Lacy. Et à partir de 78, et c'est intéressant dans la longue histoire de la biennale, le fait que Don Foresta imprime une dynamique ouverte sur le médium vidéo et sur l'expérimentation vidéo, la programmation de la biennale de Paris ressentira les effets de ce pouvoir programmatrice et de cette ouverture. Et pareil, en collaboration avec l'American Center et la Biennale de Paris, Laurie Anderson, Mary Lucier arriveront à Paris et performeront dans un cadre, on ne le sait pas si c'est parallèle, c'est en partenariat avec la Biennale de Paris. Donc là, c'est à investiguer. Un autre contre-champ, et peut-être pour situer ce que Alternatif veut dire sur la longue histoire de la Biennale de Paris, c'est ce contre-champ, cette manière de se penser toujours par rapport aux autres. Quand on lit tous les courriers, toutes les documentations des candidats, les réponses de Boudaille à certains candidats, il y a toujours le rappel à la Documenta, à Prospect de Düsseldorf, qui est vraiment une plateforme tournante d'accueil d'innovations performatives, des manifestations alternatives, et d'un autre festival qu'on n'intègre pas peut-être dans tous les festivals, salons européens des années 70. C'est à Graz, le Steirischer Herbst, tu me corriges Mathilde si je le prononce mal, qui démarre dans les années 60 et qui deviendra une instance performative extraordinaire. Voilà, donc c'est un peu le type de cadre et de contextualisation qu'on pourrait avoir pour comprendre certaines manifestations qui se déroulent à la Biennale de Paris. Et de comprendre aussi, et ma présentation sera une présentation assez papier, à travers de ce que le papier peut être comme alternatif, que la Biennale de Paris ne dit pas tout. Elle ne dit pas tout, l'Arcus de Presse nous l'a déjà appris, qu'elle ne dit pas tout dans ses programmations, mais que d'autres revues, comme les Chroniques de l'Art Vivant, éditées par MACT, comme Opus International, comme Humidité, comme Artitude, développeront comme contre-champ de pensée et d'élaboration d'une pensée critique par rapport et avec la biennale. Donc, c'est cette critique qui se cristallise, notamment avec un des principaux critiques
contre-champ critique, sans doute, François Pluchart, qui, à partir de 1971, édite cette formidable revue qui est Artitude. François Pluchart, critique d'art, le fonds il est conservé à Rennes, aux archives de la critique d'art, et qui, en 1971, cristallise dans les premiers numéros de sa revue une critique extrêmement forte de la Biennale de Paris, et qui est symptomatique d'ailleurs de toutes les ruptures de cette Biennale de Paris qui atteint avec l'édition de 71, avec les conflits entre la sélection des jeunes critiques, des critiques attitrés de la Biennale, cristallise tous les conflits qui font faire éclater finalement le mode de sélection de la Biennale. Je vous rappelle, la Biennale de Paris en 71 ne se tient pas au Musée d'Art Moderne, qui est en travaux pratiques et qui sera délocalisée au Parc Floral de Vincennes sur des prémices extrêmement contestées par les artistes. Je rappelle peut-être ce moment de rupture, je le situe parce qu'il explique beaucoup le type de choix et de refus, de contestation que certains artistes, que j'évoquerai un peu plus tard, prennent par rapport à la Biennale. Il s'agit d'une tension critique autour de la jeune critique d'art contestataire du système des valeurs de la Biennale et qui est incarnée d'un côté par des jeunes critiques qui obtiennent des sélections au sein de la Biennale. Je les rappelle, c'est la section hyperréalisme dirigée par Daniel Abadie avec la collaboration de Jean-Claire et de Pierre Léonard, la section ou l'axe thématique art conceptuel dirigée par Catherine Millet avec la complicité d'Alfred Paquement et de Nathalie Auberger, c'est la section intervention et envoi postaux de Jean-Marc Poinceau et l'art par correspondance, qui est par défaut le cadre d'art par correspondance qui, on le verra un peu plus tard, résout la tension critique avec les autres jeunes critiques qui seront évacués, et la section film d'artistes. Et cette critique acérée se cristallise dans les deux numéros d'Artitude, dans les deux numéros d'Artitude, avec ces dossiers noirs de la Biennale de Paris qui donnent la parole à l'ensemble des critiques de l'édition de 71. Et ils fustigeront tous les académismes qui seront infiltrés d'ailleurs dans les sélections hyperréalistes et art conceptuel. Dans l'article « On a déterré le cadavre de la Biennale de Paris », ou bien publie et ouvre un débat collectif qui se constitue comme un champ de débat de la Biennale de Paris, avec Abadie, Millet, Paquement et Poinceau d'un côté, et des contre-champs. D'un côté avec Otto Hahn, qui était à l'époque critique à l'Express et qui éditait une extraordinaire revue d'art conceptuel et d'intervention VH101, et les exclus, Bernard Bourgeot, Michel Clora, Patrick Delme, Olivier Nantot, qui ne publie pas dans le numéro 2 sur les dossiers noirs, et Philippe Sers. Et un troisième débat qui est intégré dans les dossiers noirs de la Biennale de Paris avec Christian Boltanski, Sarkis, qui était présent dans la section de films d'artistes, Alain Kirilli, présent dans la section intervention, et Jean-Paul Thénon, qui était présent dans la section des envois postaux. Et ils créent leur propre contre-champ au sein de cet même article avec Daniel Buren, qui est opposé à toute forme de participation en 1971. Je cite Buren. « La Biennale 1971 a commis une grave erreur tactique en laissant libre cours au système habituel d'invitation, ce qui a limité jusqu'à l'étouffement l'action des critiques, limitations qui ont trouvé leur conclusion logique dans l'éviction de ceux qui voulaient rénover le système. » Le projet refusé pour la Biennale de Paris, de 21 décembre 1970, avait été signé par Bourgeot, Clora, Delme, Nantot et Philippe Sers. Et chacun de ces très jeunes critiques avait proposé différentes manières de participer à cette Biennale pour sortir de la crise d'une sélection attribuée par un comité de sélection et par les représentants officiels pour chaque pays. Michel Clora avait proposé d'abandonner tout critère de sélection au nom d'une sorte d'approche sociologique de l'art contemporain sans aucun filtre critique.
et d'accrocher tous les artistes possibles de tous les arts possibles qui se présentaient et qui présentaient leur candidature à la Biennale de 71. Philippe Serres proposait à partir de cette sélection une expérimentation scientifique pour une concurrence ouverte à 10 000 artistes qui présenteraient leurs travaux à la Biennale et de se servir de la Biennale comme un instrument. Et il souhaitait mettre aussi en place une sorte de bureau d'organisation et d'endroits spécialement aménagés pour des expérimentations type happenings, musique et interventions environnementales. Et Bernard Borgeau relançait et redoublait ce type de critique sociologique avec une ouverture à la participation totale des présentations. Donc c'est quelque part cette revue de Pluchart, critique aussi à combat, qui cristallise une tension déjà très présente dans l'édition de 1969 de la Biennale de Paris, l'édition dite conceptuelle, et où déjà les formes de refus, de contestation se faisaient très très présentes. J'y reviendrai un peu plus tard. Dans le même débat, dossier noir de la Biennale de Paris, un article qui s'intitule « Où Buren répond à Boltanski, Kirilli, Thénon et Sarkis », qui en sont parfois convaincus, qu'il est de manifestations auxquelles il faut s'abstenir de participer. Et encore à Buren, c'est un petit enchaînement de citations, mais qui va se concentrer sur ce que vous verrez un peu plus tard. Buren, fondamentalement, politiquement, exposé à la Biennale, au CNAC, à l'ARC, à Prospect, au Guggenheim ou n'importe où en Occident, il n'y a pas de différence. On est toujours dans le même système et on révèle les mêmes situations, les mêmes problèmes. Les différences sont donc la possibilité que le système offre, malgré lui, d'agir contre lui. Sa désaffection par certains artistes et surtout par le public, son côté sale, confus, désorganisé, les objets cassés, les œuvres illisibles m'ont semblé des actions beaucoup plus efficaces. Je pense qu'il est deux moments et des lieux où il faut laisser le système s'enterrer toute seule. Il y a des dizaines de façons possibles d'utiliser les expositions de groupe, jusque et y compris celle de les refuser, certains refus ou silences étant souvent bien plus efficaces que les participations intempestives. Contrecarrer cette sélection officielle était déjà en place à Paris dans les pré-biennales des années 71 et jusque tard dans les années 75 par des alternatives aux expositions officielles, par des interventions ou des agglutinations type la galerie de locataires que vous voyez ici à l'écran et qui mettait en France un système qui était déjà très présent dans les types d'expositions de l'Europe centrale et de l'Est, l'art d'appartement. Et donc, c'est l'art d'appartement, la galerie d'appartement, et qui est une des formes d'exposition en situation de censure la plus usitée, la plus reproduite. À Paris, il y a assez peu de situations d'art d'appartement, sauf quelques situations de galeries mises en place d'ailleurs par des acteurs et d'historiens de l'art ou de photographes issus de l'Europe centrale et de l'Est, et qui, au début des années 70, mettaient en place des expositions à public restreint, une exposition malgré tout, et qui faisait circuler des artistes qui présenteront par ailleurs seront présents dans les sélections de la Biennale de Paris. Donc en 1971, Ida Biar, historienne de l'art croate, ouvre dans le 15e la galerie des locataires où certains acteurs conceptuels comme Buren, comme Kadere, comme Goran Trebouliak seront présentés. Et c'est d'ailleurs ce contrepoint-là d'Ida Biar qui sera très intéressant dans le jeu que certains artistes mettront en place avec la Biennale de Paris, Trebouliak lui-même, qui enverra des formulaires de non-participation à la Biennale de Paris par rapport à l'institution, alors qu'il acceptait d'être intégré dans le projet d'exposition de la galerie des locataires. Et vous voyez ce type de formulaire, artiste anonyme,
qui peut prêter à confusion, puisque en 1973, une participation d'artistes anonymes est aussi incluse dans la sélection de la Biennale de Paris, et qui sont plutôt associés au milieu de la galerie Foxhall. Donc on entre là dans toutes les intestines de participation des artistes ex-yougoslaves. Et donc Tribouliac accepte de participer à la galerie des locataires, d'Ida Biar. Par contre, il envoie comme seule participation à la Biennale de Paris, il envoie un formulaire de refus signé par Blaise Gauthier à la Biennale de Paris d'être présenté dans une institution publique, au Centre national d'art contemporain. Donc c'est ce jeu-là, c'est cette négociation du non et du oui qui fait aussi le cadre alternatif de différentes interventions à la Biennale. Et la Galerie des locataires est une des incarnations de cette situation parallèle ou alternative qui se déroule à Paris entre 71 et 75 et qui cristallise cette conflictualité. Vous avez ici un insert de l'exposition de Goran Tribouliac, des formulaires de refus ou d'acceptation de Goran Tribouliac à la Galerie des locataires. Ils viennent tous de l'archive de Ida Biar, l'archive des galeries de locataires, et malheureusement, on souhaitait avec Elitsa qu'elle soit avec nous ce soir et qu'elle puisse être le contre-champ de cette situation alternative. Elle est en Croatie pour la période, donc une autre fois invitée. Deuxième contre-champ, contrepoint de ces galeries d'appartements, sans doute les galeries montées par Anka Ptaszkowska et Ustati Kosakowski, rue Campagne Première et rue Darot à Paris, et qui, au même moment des éditions de la Biennale de Paris, notamment en 1973, montent des expositions parallèle à la manifestation, à la Biennale, avec des participants parfois sélectionnés dans les sélections de la Biennale et qui refuseront d'y participer. Pour la Galerie 6, qui précède la Biennale de 1973, Tribouliac, Charlier, Ruto, Roquet, Debeuc, Yokoyama, Kadere, Guinochet. Et en septembre 1973, donc quelques semaines avant l'ouverture, même pas quelques jours avant l'ouverture de la Biennale de 1973, la présentation des 11 situations de galeries à Belgrade. Et vous avez ici plusieurs types de présentations des galeries qui proviennent des archives de Anka Ptaszkowska et de Ustati Kosakowski, qui sont aujourd'hui déposées à Varsovie auprès du musée d'art moderne de Varsovie et qui sont formidablement en ligne, numérisées, et qui retracent, si vous voulez, toute l'histoire des galeries 1-36 et des contacts avec la galerie Foxhall et après Foxhall. Voilà. Et une des manifestations en résonance et en contrepoint, c'est un mot que j'utilise beaucoup, c'est la Galerie 13, qui fait état de ces mises en question, de ces rapports de tension des artistes qui ont décidé de ne plus participer dans le contexte de la Biennale de Paris, mais de s'associer au mode participatif, collectif, de penser que ces espaces des galeries mise en place par Anka et par Eustache, offre. Parce qu'il faut s'imaginer, je répète là, des expositions, la Galerie 14 et la Galerie 28, qui exposent pendant ou avec des artistes exposés de la Biennale. Et que cet espace-là, c'est un espace d'exposition et de débat. La Biennale de Paris avait tenté de le mettre en place avec l'atelier du spectateur en 69 avec l'atelier du spectateur de Frank Popper, et qui avait suscité énormément de débats et de contestations, parce que c'était aussi dans le sillage de mai 1968. C'était mal perçu par un public qui ne savait comment participer et quoi faire, alors que le format intime, le format confidentiel des galeries de Ptaszkowska et de Kosakowski. Ah,
Oui, bien sûr. Donc, le principe, c'est qu'à chaque exposition, le numéro de la galerie change. Donc, vous avez l'exposition et la galerie. Vous avez une galerie 1, une exposition. Galerie 2, une autre exposition. Galerie 3, une autre exposition. Et ça s'arrête à la galerie 36. Donc, chaque exposition a un numéro de galerie et elle accompagne les différentes locations de la galerie. La location rue Campagne Première, c'est la galerie 6. La galerie 12, elle a lieu rue Darrot dans le 14e. Donc c'est à Belgrade, oui. Parce que c'est le siège de la galerie à Paris. Elle est une exposition itinérante avec la présentation des galeries à Belgrade. Voilà, pardon, je pensais que j'ai mal pensé. Voilà, donc pour revenir à ce type de pensée, l'exposition intimement liée à l'espace qui diffuse l'œuvre et qui est un espace participatif, c'est au cœur du débat qu'on pouvait voir dans les chroniques de l'art vivant ou dans les pages d'Artitude, où se débat la place de l'artiste, le rôle que l'artiste, la sélection de l'artiste joue dans sa présence à la Biennale de Paris, quel type de valeur se construit par son exposition dans le cadre de la Biennale. N'oublions pas, nous sommes dans le sillage des contrats établis par Seth Ziegler et par Bob Projansky sur le statut, les acquis, le cadre juridique, le cadre conceptuel du travail d'artiste. Et, il est condensé dans le discours de Buren, on vient de le voir, il est condensé aussi par la manière de certains entrepreneurs extraordinaires comme Tachkovska, comme Kosakowski, comme Ida Biar, de saisir les enjeux d'exposition de l'art conceptuel et leur critique contre une marchandisation qui aurait pu se faire dans le cadre de la Biennale de Paris. C'est peut-être sans doute un peu plus compliqué avec ce que ces situations artistiques sont devenues après dans les autres biennales et présentations à la fin des années 70 et dans une starification, c'est pas forcément le mot, mais dans une starification de certains artistes à la fin des années 70. Il est certes que dans les années 73, 74 jusqu'à 75, ces galeries concentrent l'ensemble des pratiques dites alternatives, des pratiques conceptuelles, des pratiques qui échappent à ce que Buren conteste d'ailleurs aux sélections conceptuelles de la Biennale de Paris. Des sélections qu'il trouve trop lisses, des sélections qu'il trouve consensuelles sur l'art conceptuel, et qu'il il s'échappera de cette dynamique-là. Donc vous avez ici, pareil, dans le fonds Kosakowski au Musée national de Varsovie, d'art de Varsovie, vous avez plusieurs situations de débat aux différentes galeries de Anka Ptaszkowska. Donc exposition, débat, exposition, performance. Et ici, Sarkis et Goran Tribuliak, qui est dans une situation pas forcément de poésie-performance, mais sans doute de langage-performance. Et la question du langage, très bien expliquée par Julia, sur d'autres prémices historiques qui récupèrent le phonétisme post-dada, qui récupèrent le lettrisme sous ses autres formes, est dans d'autres situations de prise de parole et d'autres situations de présentation de langage. Cette situation limite du langage est incarné par un des refus nets, tautologiques, une tautologie du refus presque, que la Biennale de Paris déclenche. C'est André Cadéret qui, dans les pages d'Artitude, du même article du 1971, le numéro 2, les dossiers noirs de la Biennale de Paris, décide de lancer une sorte de petit encart que vous pouvez lire à ma droite, et qui est un encart qui marque
son attitude, son rapport au type de sélection de la Biennale de Paris. La situation actuelle et traditionnelle de l'art explique la nécessité de l'existence de manifestations telles qu'à la Biennale de Paris. 2. Le nom de Cadéret ne figure dans aucun des catalogues de cette manifestation. 3. Le travail de Cadéret, qui consiste en des barres de longueur indifférentes composées de segments de bois, peints avec différentes couleurs, dont la succession met en évidence des événements toujours différents, peut être montré en divers lieux non artistiques, artistiques et même à la Biennale de Paris. Il ne le sera pas. D'ailleurs, à la Biennale de Paris, il sera présenté au Salon de mai au même moment. Mais le ton monocorde de cette définition rejoint bien la pensée de la peinture de Cadéret. Il rejoint bien une histoire d'envoi et de réclame avec qui il jouera dans les pages, soit des lettres françaises, soit d'artitude, soit d'humidité. Une autre revue qui fait un autre plan raccord peut-être avec la présentation de Julia et qui est une autre constellation, si vous voulez, qui concentre les formes dites alternatives qui se manifestent à Paris dans l'aréal, dans le rayonnement de la Biennale de Paris, son contre-rayonnement. Parce que si Jean-François Bory lance en 1971 un numéro spécial sur la Biennale de Paris et sur la sélection de Jean-Marc Poinsot d'envois postaux, il le fait dans le cadre de cette revue qui sera une revue très localisée pour le Mail Art, qui sera un autre rassemblement de figures internationales qui prendront le contre-pied de la sélection de Jean-Marc Poinsot sur les envois postaux. Et le quatrième de couverture de ce numéro 7 spécial Biennale de Paris donne la place à Hans Kutscher, designer graphique très mêlé à des formes d'activisme. Censor shall handle all forms of communication. Et cet rapport à la censure, à l'infiltration dans l'espace d'une publication qui récupère les pratiques textuelles, art textuelles linguistiques et de mail art, que André Cadéret choisira d'ailleurs de faire irruption avec cet autre encart publicité, encart infiltration, encart qui est utilisé presque sur les mêmes pratiques et sur les mêmes stratégies que le bâton itinérant. À l'occasion de la présentation des envois dans le cadre de la Biennale de Paris, Cadéret déclare n'être en possession d'aucun message, n'avoir aucun désir de transmettre un quelconque message à qui que ce soit, mettre à la disposition du public des cartons blancs non signés sans nulle communication pour être envoyés par n'importe qui à n'importe qui. Cadéret ne sera jamais sélectionné dans les éditions de la Biennale de Paris et c'est sans doute une des clés de penser la contestation par ces petites encarts qui peuvent passer très 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 inaperçus dans une revue qui n'est pas a priori une revue de grand public. Absent présent, ça se joue aussi dans les sélections que certaines éditions de la Biennale choisiront d'ailleurs d'intégrer dans leur programmation. Je voulais sélectionner pour penser l'alternative quelques cas limites, d'autres cas limites parallèles à ceux de Cadéret. Et de savoir que finalement, pour ces cas limites, on n'a pas autant de matière pour les interroger. On n'a pas de matière pour interroger, sauf inviter Julien Blaine dans ce séminaire ou dans une séance magistrale, pourquoi en 1969, à l'inauguration de la Biennale de Paris, il vient déguisé en général brésilien pour contester les dictatures militaires. Donc un Julien Blaine qui sera associé d'ailleurs avec la scène contre-culturelle française par ses publications d'Ox, bien sûr, mais aussi Geronimo, ses éditions NEP de publications alternatives.
On n'a pas autant de matière pour interroger la non-présence des brigades Ramona Para, que vous voyez ici, donc des brigades des jeunes communistes pro-gouvernement Salvador Allende, qui, pour la biennale de 1973, envoie une minuscule diapositive pour être présentée dans le cadre de la biennale et qui n'arriveront jamais à la biennale de Paris. Voilà, vous avez ici une proposition de voyage acceptée, mais le gouvernement chilien empêchera le voyage. Nous remercions la municipalité pour ses propositions de séjour. Comment travailler avec ces situations de radicalité politique qui sont présentes dans les interstices des archives de la biennale, qui ne parlent pas beaucoup. On l'a vu par ailleurs dans les sélections la sélection d'Angel Kallenberg et tous les enjeux politiques posés par la sélection autour de l'Amérique latine en 1977. Comment travailler sur ce que j'appellerais un on-off de la Biennale de Paris, la participation de Genesis Porridge et de Così Fanno Tutti, bien connus sur l'intitulé de Comb Transmissions, qui explore à la limite du mail art et de l'action corporelle extrêmement radicale, extrêmement limite, qui explore toutes les situations de performativité du corps, bien au-delà de ce que Michel Journiac pouvait présenter à la Biennale, et qui, en 1975, participent et obtiennent la sélection à la Biennale de Paris dans cette perspective de grande ouverture que Boudaï voulait mettre en place. Et je vais vous citer la manière dont il décrit cette nouvelle catégorie en 1975, parce qu'elle est absolument savoureuse. Il pourrait être intégré dans la section qui s'appelle « Mouvement des travestis ». Ces artistes, comme les artistes du body art, utilisent plusieurs moyens d'expression, d'action directe sur le public, la photo, la vidéo, le dessin quelquefois. Gary John Glaser a obtenu une bourse pour cela. Donc, c'est être en total décalage par rapport à ce que Genesis Porridge et Così Fanno Tutti, en 1975, pouvaient mettre en place à la fois dans le sillage post-Fluxus, puisqu'ils étaient présentés dans les Flux Show à Nottingham, donc dans toute cette constellation autour de Beau Geste Presse et de Philippe Ehrenberg, qui était très très actif, par David Mayer en Grande-Bretagne. Comment Così Fanno Tutti devient un pion extrêmement intéressant dans toutes les rhizomes de la mail art qui avaient leur volet français par Julien Blaine et par Jean-François Bory. Donc comment ce projet, qui était un projet d'installation tout aussi participatif que l'atelier du spectateur, pouvait fonctionner sur les prémices de la biennale? Et comment un texte, qui est un texte compliqué, traduit par Comb Transmissions pour la candidature officielle, joue avec ces rapports de mort, de sexe, de genre, de penser les limites du corps au sein de la biennale. Donc vous avez ici quelques échantillons de cette installation Orange and Blue, une sorte d'installation où les participants pouvaient s'emparer de tous les objets et les activer. Ce sont des objets très proches de la junk art et de ce que tout le mouvement junk et post-junk réaliseront par la suite. Voilà. Et le projet déposé pour la Biennale de Paris, c'était un projet. C'est étonnant de voir le dossier de Comb Transmissions, qui est extrêmement méticuleux.
quand on connaît Genesis, Porridge and Cosi Fanny Tutti, qui ont exploré tous les territoires du corps, du genre, du trash et du junk, pour faire vite, le dossier déposé par Coombe Transmission pourrait faire l'objet d'un dossier excellemment conduit pour la participation à la Biennale de Paris. Voilà. Comment explorer aussi, et ce sera peut-être le dernier point de mon intervention, dans cette masse de refusés de la Biennale de Paris, comment explorer l'alternatif de ces refusés-là? Quels sont les points aveugles des sélections de la Biennale de Paris? Et où se trouvent ces points aveugles? Parce que dans les dossiers des refusés, vous avez des projets qui sont refusés à bon droit, on pourrait penser que les critères de sélection trouvent un consensus dans certains dossiers de refusés. Mais comment comprendre les points aveugles d'une biennale qui ne saisit pas forcément sur le vif des manifestations ou des aires d'évolution des pensées, des mentalités, des idées qui sont en cours? Et ce collectif, le collectif Cairn, c'est un collectif que j'ai découvert tout récemment par les dossiers de la Biennale de Paris. Donc je livre ici, sans doute, ces trajectoires qui écrivent en creux la Biennale de Paris, d'une coopérative des artistes créée en 1976 à Paris, autour de Hélène David, Sylvaine Letellier, Jean-Claude Marquette, Bernard Crespin, Dominique Haneuse, Richard Pernollet et Guylaine Gallimard, qui interrogent toujours les pratiques participatives à l'aune des nouveaux supports, médias, des vidéos, des publications éphémères, qui s'installent dans des débats économiques, des débats psycho-économiques, et qui interroge les aspects sociétaux qui sont les grands absents parfois des sélections de la Biennale des artistes. Et qui édite un journal, le journal Cairn, rien à voir avec le réseau Cairn d'études sociologiques, de revues, d'agrégateurs, où dans un article qui s'intitule « Pavane pour une biennale » en 1980, font état de tous leurs dossiers de refus à la Biennale de Paris. Et c'est une sorte de mise en abîme métatextuelle de l'archive de la Biennale de Paris des refusés. Et c'est très intéressant de reconstituer comment, toujours par le médium journal, par le médium publication, c'est cet médium-là qui est le médium le plus radical, le plus intéressant pour situer la contestation. Situer la contestation par une déclinaison extrêmement détaillée, extrêmement attentive aux échanges entre les interlocuteurs et pour saisir les enjeux politiques qui sont au cœur de la sélection et de la construction de la valeur. Et du coup, c'était intéressant de revenir sur, comme coda, sur une pavane pour une biennale qui est mise en place dans une situation d'atelier autogéré, d'autogestion, de pensée alternative qui sort des circuits contre-culturels des années 80, qui ne sont pas forcément dans les contre-cultures Julien Blaine, Bory et compagnie, mais qui repense une autre manière de se constituer en tant que participation à un événement public. Il ne faut pas oublier que Cairn avait participé à 3 reprises déjà à la Biennale de Paris et s'était fait refuser à 3 reprises. Donc, cet rapport du métadiscours qui passe par des documents
est très intéressant pour reconstituer une autre géographie de ces manifestations de la Biennale de Paris. Je pense que l'aspect correspondance, envois postaux, rapport au langage, rapport à tisser des constructions parallèles aux sélections officielles, aux systèmes de sélection officiels qui ne sont pas uniquement ceux de la Biennale de Paris, méritent à être interrogés par ces éléments disséminés dans l'archive de la Biennale de Paris elle-même. Ensuite, une dernière et troisième piste serait peut-être de faire une sorte de carottage dans toutes les manifestations annexes de la Biennale de Paris, de voir à quel point cet éclectisme des formes de manifestations alternatives fonctionne dans la longue durée sur, et pas uniquement de manière quantitative, fonctionne sur la longue durée pour la Biennale de Paris jusqu'en 1985. Et comment 85, c'est une autre cristallisation des tensions, et je crois qu'Alana Heiss et Richard Nona sont bien explicité cette cristallisation de 85 pour la dernière édition de la Biennale. Et comment les enjeux institutionnels et politiques se jouent aussi à travers ces manifestations annexes de la Biennale de Paris. L'histoire des programmations vidéo, des films expérimentaux qui commencent déjà à partir des années 80, qui deviennent très, très, très conséquents dans la Biennale de 1982 avec plusieurs programmations sur le livre d'artistes, sur des programmations disséminées dans tous les espaces parisiens, rebat les cartes de la Biennale de Paris. Comment, et je ne veux pas tirer sur cette étiquette-là, mais comment le Centre Pompidou, en 77, commence à s'installer comme un espace de l'expérimentation lui-même, et comment cette première vie du Centre Pompidou devient un espace de, je ne dirais pas de l'alternative, mais en tout cas de concentration des forces de l'innovation par la vidéo. Le Centre Pompidou, l'INA et le Centre Pompidou, d'ailleurs, ont les moyens de production audiovisuelle convoités par beaucoup de participants à la Biennale de Paris, et ça, on le voit dans les programmations. Comment le Centre accumule aussi toutes les expérimentations sonores et musicales et des programmations de films expérimentaux. Donc, c'est sans doute cette stratification de l'alternatif par différentes formes de programmation que j'avais envie d'explorer ce soir. C'est en cours parce qu'on n'a pas forcément le réflexe d'aller interroger dans d'autres types de sources que celles constituées par une archive, par ce qu'on appelle une archive institutionnelle. Je pense que le fonds Hervé Fischer, par exemple le fonds d'archives Hervé Fischer, qui raconte bien l'histoire de ce contre-champ de la Biennale de Paris, les débats au sein de l'école sociologique interrogative, Annabella Tournon en avait évoqué un mot lors de son intervention, comment le réseau du Mail Art a constitué un réseau alternatif à échelle planétaire, à échelle internationale, qui déjouait d'ailleurs beaucoup d'enjeux institutionnels, qu'il s'agisse de Venise pour l'espace italien, de Paris pour la France ou pour l'Allemagne. Et c'est peut-être dans ces germes-là, de publications périodiques, de publications éphémères, de jeux avec l'institution, d'infiltration sans doute, que les manifestations de ce qu'on appelle l'alternatif à la Biennale de Paris pourraient être écrites. Voilà.
Merci, merci infiniment Mika pour cette extra, enfin à mon sens tout à fait exceptionnelle clôture et ouverture en même temps que tu clôture du séminaire, mais ouverture en termes de épistémologique que tu proposes, qui part du constat extrêmement, enfin qui est très utile d'un point de vue méthodologique, avec la nécessité évidemment de sortir des fonds de la bibliothèque Kandinsky et des archives de la critique d'art et aller voir ailleurs, mais aussi au-delà de ça, essayer de penser effectivement à la biennale par ses manques, par ses écueils, et puis tu l'as fait de manière très fine et très nuancée en ouvrant énormément de questions. Parce qu'il n'y a pas que les manques et les écueils, il y a aussi les choses qui se frottent, qui entrent, qui sortent, toute cette histoire, en fait, voilà, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a toute cette histoire de récupération par la biennale de choses qui se préparent ailleurs. Ça aussi, c'est un champ. Et puis, tout ce sur quoi tu as fini, qui est encore autre chose, qui est les refusés, mais qui mettent qui font de leur refus une chose publique, et de ce fait écrivent eux-mêmes aussi l'histoire de la biennale. Enfin, je parle de manière un peu confuse, mais j'ai trouvé ça extrêmement fin et riche. Donc j'avais une question quand même. Oui, je me demandais, alors c'est peut-être, puis merci pour toutes ces revues aussi et publications. Tu dois être une des rares personnes à connaître. Ah, je suis Madame Revue, moi. Hein? Je suis Madame Revue. C'est ça. Mais non, ce que je me disais par rapport à ton constat sur 85, parce que tu disais 85, c'est différent. Moi, je me disais que quand même, il y a ce qui se passe, parce que ça m'obsède, hein, cette question de qu'est-ce qui se passe en 85 et pourquoi ça s'arrête. Et je me dis que peut-être en 85, il y a un verrouillage quand même de la biennale elle-même, hein, avec cette idée de faire appel à des commissaires professionnels qui vont vraiment. Et du coup, cet espace qui n'était peut-être pas suffisamment accueillant des précédentes éditions, mais qui était quand même là. C'est-à-dire qu'il y avait quand même la possibilité de postuler. On pouvait se faire refuser, mais on pouvait postuler. Et puis, il se trouve que des fois, effectivement, la biennale, elle ouvrait une porte et ça devenait une biennale ouverte. Et puis, il y avait là-dedans, il se passait des choses. Puis, des fois, non. Mais les artistes pouvaient jouer là-dessus. Du moment où tu installes un système avec 4 commissaires internationaux, budget alloué, tout un réseau de marchands derrière et de galeries, etc., c'est verrouillé, il n'y a plus de possibilité d'être dans l'alternative, ou alors on est dans la contestation pure et dure, mais bancale. Et je pense que cette histoire que tu tisses, elle s'arrête en 85, ou elle n'est pas là en 85, c'est qu'il n'y a pas cet espace-là de respiration. Puis ça rejoint aussi ce que disait Alana Heiss quand elle était venue, qui disait que dans les années 70, la Biennale de Paris, en raison, entre autres, aussi de son désorganisation. Elle était quand même un espace d'expérimentation possible si on arrivait à s'en saisir. Alors, soit contre, soit... Voilà. Donc ça, c'était une première chose. Puis la deuxième remarque que j'avais, et je l'ai oubliée, je l'ai laissé la parole à quelqu'un d'autre, puis ça va peut-être me revenir. Je dirais, juste pour rebondir sur ce que... Tu as parfaitement raison. Quand on regarde, par exemple, la biennale de 69 avec les travaux d'équipe, tu vois dans les travaux d'équipe des présences contre-culturelles américaines. Je pense dans la sélection de Experiments in Art and Technology qui participe en 69. Ils invitent Ant Farm. Ant Farm, à l'époque, c'est le must de la contre-culture américaine, avec les habitats participatifs, complètement connectés à Stuart Brand, à des formes de pré-information connectées. C'est extraordinaire comme proposition. Déjà,
EAT à la Biennale de Paris, c'est extraordinaire qu'ils puissent participer. Ils sont encore dans leur jus expérimentateur. Depuis 2 ans, ils ne font que expérimenter avec Kluver toutes les formes d'art, technique, industrie, ingénierie. Et c'est très intéressant que c'est en 69 qui, sur le plan français, concentre d'autres tensions idéologiques. C'est que les travaux d'équipe montrent une dynamique américaine absolument formidable. Deuxième point, si tu me permets, c'est juste parce que je me suis amusée quand même de relever quelques manifestations annexes dans les différentes années de la Biennale, 65, 67, 68, 73. Tu vois bien que cet enjeu de présentation d'artistes dans certaines galeries prendra le pouvoir nettement dans les années 85. Donc comment certaines galeries programment certaines monographies d'artistes qui seront présentées à la Biennale de Paris, et que en 85 c'est un summum de programmation par les galeries, par le système des galeries qui fera exploser en partie la Biennale. Donc il y a des enjeux de marché et de réseau de galeries qui serait très intéressant d'analyser, toujours par ces manifestations annexes de la Biennale. Qu'est-ce qu'on programme chez Yvon Lambert? Qu'est-ce qu'on programme à la Galerie de France? Qu'est-ce qu'on programme pendant les séances de la Biennale, pendant les manifestations de la Biennale? Qui est présent où? Et là, il y a des recoupes très, très amusantes à faire. Et ma deuxième remarque, ça rejoignait ce que disait tout à l'heure à Julia et la remarque de Catherine sur le mot comédien dans les documents. Et toi, dans la description que tu as faite de la citation de Boudaille sur le projet de Genesis Boric, c'est pour moi, ça synthétise absolument cette biennale qui en tout cas la position de Boudaille qui va trouver les mots les plus neutres, les plus bureaucratiques, les plus administratifs, qui finalement va dire à la fois tout et rien du tout, oui. Parce que de dire que ben voilà, ça touche à toutes les disciplines, et tout ça, mais ça ne dit rien de la charge du projet, de son énergie, de sa force, rien du tout. Et cet habillage bureaucratique, peut-être parce que je travaille maintenant à l'INHA et que je le côtoie tous les jours, c'est quand même extrêmement... Enfin, c'est aussi un sujet important. Pour l'art corporel, body art, c'est très bien. C'est exprimer ses idées. C'est d'une tendresse, hein, c'est de lire ça dans le topo scientifique dressé par Boudaille pour 75. Art corporel, exprimer ses idées. Enfin, c'est ça, non? Exprimer ses idées à travers le corps. Ça montre bien un décalage aussi, un décalage de pensée, de référence, de qu'est-ce qui circule en termes d'idées à cette époque. Déplaçons nous en 77 et voyons comment Zanini a une finesse des ressources théoriques qu'il mobilise pour l'Amérique latine qui est absolument extraordinaire. Et que des artistes brésiliens comme Matouk, comme Zilio, comme Meirelles, seront beaucoup plus proches de Zanini, qui a une ouverture, qui lit du Flusser, qui est très intéressé par l'art et l'information, et que certains de ses artistes se retrouveront d'ailleurs dans des formats cybermédias, transmédiaux, extraordinaires. Voilà. Non? Ah si, si, si. Oui, je m'interrogeais parce que vous employez beaucoup le mot contre-culture, contre-culture. Et moi, dans ma grande jeunesse où je lisais des magazines contre-culturels, ça s'appelait Actuel, des magazines comme ça, qui s'inspiraient de la Free Press américaine. Et je me faisais cette réflexion que c'était les arts visuels, les arts plastiques étaient totalement ignorés finalement par cette presse. Je pense même Charlie, autant la musique est extrêmement présente, autant les arts graphiques à travers la bande dessinée et autres est extrêmement présent. C'était ça la contre-culture. Et finalement, à part des complicités qui se sont niées
sur des questions politiques avec des gens comme de la figuration narrative. Oui. C'est à peu près tout ce qu'ils peuvent accepter à ce moment-là. C'est très étrange comme, ce décalage, parce qu'on parle de contre-culture, et comment, quand vous parlez de Buren, toujours les questions en France des artistes, c'est participer, pas participer, et au fond, on a l'impression que le grand jeu de l'art, c'est exposer, pas exposer, comme s'il y avait toujours ce malaise. Et, c'est le terme contre-culture que maintenant on emploie beaucoup et qui a été employé notamment dans cette expo de la Maison Rouge. À une époque, c'était vraiment pour moi très très marqué comme cette importation américaine, et beaucoup plus ça consistait à rejeter la littérature, à valoriser la science-fiction, enfin, toutes ces choses-là pour et à toujours prendre un peu le contre-pied de l'art par le biais du graphisme ou de la... C'est très juste. Je pense que j'emploie beaucoup contre-champ, et ça c'est parce que je travaille beaucoup avec Zaya Rahmani qui utilise beaucoup le mot contre-champ pour penser, donc c'est contre-champ plutôt. Contre-culture, c'est très juste ce que vous dites, et ça m'a interrogé d'ailleurs, est-ce qu'il y a un point de contact entre ce qu'on appelle aujourd'hui la contre-culture, l'esprit français, et ce qui se passe à la Biennale de Paris. Est-ce qu'il y a des cheminements entre ces deux zones-là? Pas tant que ça. Blaine, Julien Blaine, avec sa perception de la contre-culture à lui, est intéressant à explorer de ce point de vue, mais c'est le Blaine Geronimo. Et robot aussi. Hein. Pas forcément. Robot, mais pas beaucoup. Et c'est même pas tout ce qu'il développe autour de Docs. Mmh. C'est vraiment Geronimo. Peut-être au moment d'approche et de Agencia avec Johann Gertz, avec Bory, c'est ce milieu-là qui n'est pas un milieu contre-culturel en soi. Après, Ennu, sans doute, et Parapluie, évoquent des situations d'exposition, des moments contre-culturels. Bizot, je ne pense pas. Bizot n'est pas du tout dans cette constellation. Pour actuel, il n'est pas du tout dans cette constellation. Et ni Torchon Brûle, ni toute cette créativité de la Free Press, c'est pas la Biennale de Paris. J'avais une question, puisque le thème c'est le off, mais ce que vous avez évoqué n'est pas tout à fait du off. Alors est-ce qu'il y avait des manifestations parallèles qui recevaient un parrainage de la Biennale? Oui. Il y a beaucoup de performances, je les ai toutes listées, mais je ne voulais pas faire du name dropping. Il y a du bon et du mauvais. Bon, il y a les expositions parallèles de Michel Ragon, par exemple, qu'il réalise au Palais Galliera. En 67, il organise une aventure de l'art abstrait. En 69, il organise Jeune artiste à Paris avec Gassio Talabo. Et, petite parenthèse, pour tous les enjeux, engagement politique et point de contact avec la Biennale, c'est plutôt Gassio Talabo qui serait intéressant à explorer, et autour de Opus International, c'est plutôt ce type de raisonnement qui fonctionnerait. Avec Jean-Jacques Levesque, qui vient avec une dose plutôt surréalisante dans l'affaire, et avec Raoul Jean Moulin. Raoul Jean Moulin qui s'occupait des catalogues de la Biennale de Paris, et qui est le relais de toutes les tendances communistes, de toutes les formes d'engagement politique. Et c'est Ragon, dans cette composition-là avec Talabo et Jean-Jacques Levesque et Moulin, qui expose Marc Bruce, qui expose du Buren, qui expose du Boltanski. Donc, ce sont pas des parrainages, mais des manifestations qui sont organisées pendant la Biennale de Paris par un accueil d'espace, ou parce que des galeries soutiennent des artistes qui sont exposés à Paris et font partie de la sélection officielle. Et alors on entre dans le circuit collaboration galerie Biennale de Paris. C'est une vraie thématique, ça. Les artistes exposés dans les galeries pendant les éditions de la Biennale de Paris. Il y a une autre performance qui est
très, très intéressante, c'est celle de Alex Mlernarczyk, un Polonais, Bonjour Monsieur Courbet, qui a lieu à Châtillon des Arts, et qui est un deuxième, troisième épisode après l'expérience avec Jean-Clarence Lambert, parce que Mlernarczyk avait été pressenti dans la sélection de Lambert sur les objets et les machines à langage. Donc, il y a des rappels historiques entre certains participants. Il est tchèque ? Bon, il est tchèque. Mlinarczyk, très bien, il est tchèque. Pardon. Tchécoslovaque. Pas le polonais. Bon, ma faute. Et puis, quoi d'autre ? Malaval est chez Daniel Gervis. Ben, chez Templon. Templon, il est super actif hein, pendant les Biennales de Paris. Comme Yvon Lambert, qui expose en 1973 Brice Marden. Donc, à voir quels sont d'autres relations qui peuvent être tissées entre certains galéristes et la Biennale. Il est clair qu'avec Ida Biard et avec Anka Ptaszkowska, on est dans des situations limites du circuit des galeries. Hein. C'est pour cette raison que je les ai choisis. Et que la compatibilité Kaderé-Ida Biard-Ptaszkowska est plutôt à interroger du côté d'autres galeries conceptuelles comme Wide White Space à Anvers et autres. Il n'y a pas des manifestations aussi proposées par les sections nationales, parce que je suis tombé un jour par hasard sur une affiche, je crois que c'est 73, de programmes musicaux et d'interventions à la Maison de la Radio, avec un groupe le plus improbable dans ce contexte-là, qui s'appelle Nihilist Space Band, qui est là. Groupe fondateur de la Noise au Canada, qui à mon avis n'a jamais été programmé à l'intérieur de Paris quand ils ont été programmés, c'est aux Instants Chavirés. Et ils sont là-dedans, programme Biennale de Paris, et apparemment c'est parce que c'est une programmation faite par le Canada. C'est tendance de l'art canadien qui sont organisées par l'ambassade. Oui. Et pareil, je pense que l'ambassade de Grande-Bretagne fait venir The Thing, The Theater of Mistakes, qui est un théâtre expérimental très intéressant de performeurs un peu dans le post-living theater. Voilà, et puis il y a tous les groupes qui viennent à Paris et qui ont leur propre point de chute à Paris pendant la Biennale. Mais ça, en effet, il faut aller interroger les acteurs directs qui ont pu avoir des programmations. En tout cas, pour ce qui est du Festival d'automne, Boudaille m'avait dit que une de ses grandes erreurs, c'était Michel Guy lui avait proposé d'associer lors de manifestations, de créer une sorte de partenariat, vraiment d'inscrire ça dans le marbre, qu'il avait refusé, qu'il avait eu peur de se faire. Je ne sais pas si tu as peur de se faire bouffer par le Festival d'automne ou pas, parce que le Festival d'automne démarrait à ce moment-là. Ça aurait renforcé vraiment la Biennale par cette association. Sans doute pour le cas de Buren. Oui, mais je pense que analyser tout de même les programmations du festival, qui sont des programmations annuelles, finalement, et voir s'il y a des ponts entre les programmations du festival, je ne le pense pas. Hein. C'est ce qui se programme au Festival d'automne n'est pas forcément... Non, je sais bien, mais je vous dis qu'il y avait cette tentation, cette envie d'unir les deux choses. Oui. Mais c'est le Festival d'automne, d'ailleurs, qui explore beaucoup plus des espaces, pas alternatifs, mais des espaces d'autres sur la scène parisienne. Enfin, Meredith Monk qui va à Gennevilliers, la chapelle de la Sorbonne qui devient la scène performative de Paris. C'est très intéressant, mais c'est quelque chose que la Biennale ne fait pas. Oui. Où il y avait... Merci. Qu'est-ce que j'ai fait, Galerie 13 Juste pour expliquer, en fait, pourquoi, parce qu'elle était explicitement citée là-dedans, la Biennale de Paris. Voilà oui. Ça. C'est une... Que tout n'est pas du même ordre, en fait, jusqu'à... Enfin, à la fois les deux premières lignes, et puis... Enfin, Biennale de Paris, Festival d'automne,
Prospect, Kunstmarkt, etc. Ça va. Et puis une exposition de peinture réunissant certains peintres qui mettraient dans la peinture en question. Ça, c'est une référence. C'est une référence artiste. C'est une référence artiste. D'accord, c'est une référence à une catégorie d'artistes. Donc là, on est dans Michel Clora. Complètement. D'accord. Complètement. Donc, n'importe quelle exposition, c'est-à-dire une exposition, c'est n'importe quelle exposition de peinture réunissant certains peintres qui mettraient la peinture en question. Voilà. Donc, ils sont du même ordre que la Biennale de Paris. Que la Biennale de Paris, que le Festival d'automne, que Prospect, que le colloque de Berlin pour l'atelier international d'art expérimental. Donc, il y en a marre des peintres qui remettent la peinture en question. Oui. C'est non seulement, c'est pas autant tautologique, mais c'est plein d'humour. Ouais. Mais c'est extrêmement codé aussi par rapport à ce qu'on voyait là. Mais il y a sans doute des zones d'humour que je ne saisis pas, parce que quand Michel Clora est intervenu l'autre jour, tu sentais qu'il y a encore beaucoup de non-dits par rapport à ses participations et ses... Donc là, ça serait Michel Clora ? Il faut lui poser la question. Mais c'est ça l'allusion que tu faisais ? Non ? Voilà. Toi, tu faisais allusion à Kaderi ? Oui. Oui. Rappeler, en il doit y avoir une archive où on les voit, le groupe. Parce que je me souviens d'avoir identifié. Donc on doit avoir ça dans nos fonds d'archives, une performance ou quelque chose comme ça, parce que je me souviens de les avoir identifiés, notamment par la personne dont je te parlais, dont j'arrive pas à retrouver le nom, mais elle est là. Elle est là sur la photo, tu vois, la personne qui est appuyée, comme ça, jeune. Mm-hmm. Et ben c'est. À droite. Ouais, voilà. Il faut que je retrouve son. Ouais, c'est. Non, ouais, c'est elle là. Et il faut que je retrouve son nom. Mais tu vois, et c'est par elle justement que j'avais pu identifier que c'était le groupe Kern qu'on voyait dans les archives. Explorer un peu plus, ces journaux faisaient partie des envois, de la documentation pour la participation. Donc ils se retrouvent dans les dossiers des refusés. Et c'est très intéressant, Jean-Claude Marquet, qui est présent aussi par ses connexions avec l'art cybernétique. Toute la, je crois qu'ils ont travaillé aussi beaucoup sur la vidéo. Oui. Qui se constitue en coopérative en 76, dépose des candidatures à la Biennale de Paris. Ils sont refusés systématiquement. Donc ils décident en 80 de faire cet panorama du refus, du circuit du refus à la Biennale de Paris. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'être restés, d'avoir merci. Participé. Et merci Mika, merci Julia pour cette superbe séance. Et voilà. Elle va rester dans les annales de toute façon, enregistrée sur YouTube et sur le site de la bdp.hypothèse.org. Donc si j'ai dit des bêtises là.